Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va du coup tranquillement attaquer ce petit nain suite au petit. Salut Olivier et bonne soirée Paul. Merci de dire bonjour, même à Gimli, c'est beau. T'as le bonsoir de Holmes. Bonjour à tous. D'Olivier. Et on va attaquer en fait ce nain. L'idée, ça va être sur ce live de, je vais attaquer un peu comme la dernière fois sur le gros tigre, à savoir d'ailleurs le gros tigre, je l'ai fini. Julie, tu peux me le filer? Il est sur la petite box à photo. Je n'ai pas pris les photos propres encore, mais je vais vous montrer. Déjà, est-ce que le son va bien? Dites-moi. Je vais mettre un peu de son en fond d'ailleurs. Je vais le mettre sur. Oh, merci beaucoup. Donc un peu comme on avait fait sur celui-là, je vais commencer pas mal à l'aéro. Donc là, vous voyez, j'ai fini. Donc j'ai fait pas mal de reprises. J'ai travaillé beaucoup les petites traces, les petites stries du tigre. Et tranquillement, mais sûrement, j'ai finalisé tout ça. Alors je vais juste nous mettre de la musique pour que... Il y a un fond sonore. Alors il y a pas mal de bruit, mais là non, la fenêtre est fermée, donc ça va. On va se mettre ça. Hein. C'est les Parisiens qui s'en vont, comme dit Julie. Voilà, dites-moi si le son est pas trop fort. Mais... C'est une manière d'avoir juste un petit fond de son d'ambiance. Donc j'avais peint ça la dernière fois, comme je vous dis. Et l'idée, c'était de reprendre un peu ces couleurs. Bonsoir Sipi, salut Jonathan, ça fait plaisir. Salut Stéphanie, de la part de Lyon. Hello de la part de Lyon. C'est cool, toute la ville, de la part de toute la ville. Salut Stéphane, j'espère que ça va. Bonsoir à tous. Ben, j'espère que ça va pas trop vous impacter là, le confinement. Moi je vais essayer avec le confinement de peut-être vous proposer des lives deux fois dans la semaine, le mardi et le jeudi. Ça reste à confirmer, mais j'espère que je pourrais vous proposer ça un peu pour qu'on puisse être un peu tous ensemble. Donc je vais commencer, comme je le disais, à l'aéro pas mal, et puis je finirai au pinceau. C'est un peu la méthode que j'applique beaucoup sur mes pièces de façon générale. L'aéro va me permettre d'avoir des bases un peu régulières, et le pinceau va me permettre d'avoir quelque chose qui pète. Très important de mixer les deux, hein, parce que l'un sans l'autre. Donc là j'utilise du blanc Liquitex. Je fais buller mon aéro, hein. Je dévisse légèrement et je fais buller. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez juste avec de l'eau ou du diluant pour éviter de vous en foutre partout. Et là, je vais commencer à poser tranquillement mes lumières. Donc là, sur le bouclier, on sait qu'on va avoir des lumières assez fortes. Hein. Mais je ne vais pas insister d'emblée. Ça va se faire en plusieurs passages, calmement, simplement. Faut jamais insister de trop d'emblée, parce que sinon ça va vous créer des problèmes, des petits crachats, ce genre de choses là, ou des petites pattes d'araignée. Donc vraiment, allez-y toujours doucement à l'aéro, allez-y par espèce de filtre successif, hein, comme finalement on va être amené à faire au pinceau. Donc voilà, le maître mot, c'est contrôle. On y va doucement, on insiste petit à petit sur les zones qu'on veut voir de plus en plus claires. Pas hésiter aussi à en passer une petite couche sur le socle. Souvent, quand je bosse à l'aéro, je bosse sur plusieurs pièces parce que ça consomme assez peu de peinture. Et j'en ai souvent qui restent dans le réservoir, donc ça me permet de vider sur une petite pièce que j'ai à côté. Donc je vais pas hésiter à insister, hein, comme je le disais, sur les zones de métal, même si je pourrais viser un métal un peu plus sombre, mais... Cette fois, je pense que je vais partir sur un acier assez clair. Je vais aussi prendre le parti de changer un peu finalement de ce que propose Mythic Games sur son schéma. Là, c'est plutôt bleuté. Comme j'avais déjà fait le tigre en bleuté, là, je vais plutôt partir sur des teintes plus rougeâtres pour en faire un nain
un nain orienté feu, même si c'est pas la thématique à la base. Moi, ça me fait plaisir. Et il faut se faire plaisir en peinture. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Comme je disais, que le confinement vous impacte pas trop, que ça va pas trop niquer un petit peu vos business respectifs, votre travail et tout ça, et que vous allez pouvoir continuer à avancer tranquillement. Hein. J'espère que vous allez pouvoir aussi en profiter, peut-être si c'est pas trop difficile pour vous, pour faire baisser votre pile de plastique gris, parce que c'est toujours une bonne chose. Il faut toujours essayer de prendre la vie du bon côté, essayer de voir quels aspects positifs tout ça pourra vous apporter. Donc j'hésite pas, hein, comme vous le voyez, je mets vraiment beaucoup plus de blanc sur les zones que je vais vouloir vraiment éclatantes. Comme typiquement le bouclier, on est toujours sur une figurine qui est très chibi et franchement c'est plutôt agréable. J'étais convaincu la dernière fois et ça s'est ressenti parce que sur le vote pour savoir quelle figurine j'allais peindre, je vous ai proposé du Games ou du Fantasy Brawl et quasi à l'unanimité, tout le monde est parti là-dessus. Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Comme je disais Jonathan, je vais partir un peu comme je veux. Et ce sera plutôt rouge, flamboyant, un truc dans ce goût-là. Simplement parce que, comme je disais, j'ai déjà fait le petit tigrou en couleur bleutée. Et j'ai envie de changer forcément. De l'un à l'autre pour pas que ça se mélange trop. Donc là, ce sera plutôt... Je vais essayer de m'orienter plutôt sur des couleurs chaudes, clairement. Donc là, je nettoie l'aéro. C'est très important entre deux passages. Jonathan, du coup, oui, tu travailles normalement. Bon, j'ai l'impression que globalement... la seule chose malheureusement qui va nous être imposée et impossible de faire, ça va être tout ce qui est loisir. Je sais que c'est un peu pénible, mais bon, si ça peut améliorer la situation, tant mieux. Et si c'est pas le cas, j'espère que tout le monde pourra être vraiment confiné, qu'on passe à autre chose avec cette merde là. Avant les fêtes de fin d'année, ce serait génial, même si voilà, on croise tous les doigts et puis on espère. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer au rouge. Pareil, un rouge Liquitex que j'ai testé, qui est pas trop mal. Ça va me permettre de poser les bases de l'OSL que je vais essayer de préserver au fur et à mesure de ma peinture. Évidemment, c'est pas du tout acquis que je le préserve, parce que c'est toujours pareil. On part sur des bonnes intentions, mais qui ne peuvent pas toujours être réalisées. Mais en attendant, voilà, je vais vraiment essayer de me focaliser là-dessus pour conserver en gros son marteau ardent le plus rouge possible. Et ce fameux petit OSL, je vais tout simplement étendre un peu la zone de pchit d'aéro à l'entièreté, tout ce côté là de la pièce qui du coup devrait prendre pas mal de nuances de rouge pour que ça pète. Donc Julia va s'installer sûrement à côté pour pouvoir peindre un petit peu ses toiles. Donc normalement en bas, c'est pas dit que l'OSL devrait atteindre la partie basse, ma foi, mais bon, on va avancer et puis j'aviserai au fur et à mesure de l'avancée de ma peinture, je corrigerai un peu le tir si nécessaire. Donc un OSL pour Other Source Lightning, le but ça va être de vraiment donner la sensation que la figurine est éclairée tout simplement par une lumière, et la lumière que je choisis ici ça va être ce rouge en plus de la lumière zénitale. On peut très bien se permettre de faire un pur OSL sans aucune lumière zénitale, mais à ce moment là évidemment toute une partie de la figue resterait assez sombre, puisque juste il n'y aurait que la partie éclairée par la lampe torche qui prendrait de la lumière. On va essayer d'étendre un petit peu, toujours un peu plus, ces zones de lumière. Là, on est sur quelque chose de correct en termes de diffusion, donc je vais gentiment m'arrêter là. À 2-3 pchits près, hein, mais globalement, on n'est pas trop mal.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir faire une passe sur la base en ajoutant tout simplement du jaune à mon mélange. Je vais même, au-delà d'ajouter du jaune, je vais directement y aller au jaune de sorte à ce que ça éclaircisse un peu le tout. Comme je disais, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et dites-moi si le son va bien, si la musique de fond n'est pas trop forte. Parce que de là où je suis, je me rends pas compte, tout simplement. Ensuite, je vais revenir, comme je disais, au jaune. Alors, j'ai plus de ce jaune-là, donc je vais revenir avec ce jaune-là. C'est un jaune citron de chez Procolor. Donc, je vais pas forcément énormément le diluer pour qu'il ait quand même un impact. Sachant que si je le filtre suffisamment bien sur certaines zones rouges, le voile permettra de tomber sur une nuance de orange plutôt que directement de jaune pur. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est que la base, donc je fais toujours buller, encore une fois, faites pas buller pour la première fois sans prendre vos précautions. À savoir, faites juste buller avec de l'eau dans votre aéro pour prendre la chose en main parce que ça peut vite être assez traître. En ce moment, je donne pas mal de petits cours sur Discord. Donc, si vous êtes chez vous, que vous avez envie de progresser et que vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez surtout pas. L'idée est simple, hein. Très souvent, pour un cours, on se met d'accord sur une pièce. On peint la même pièce et sur une session qui peut se faire en 2-3 fois. Ben, en fait, on va peindre cette pièce et ça permet de progresser. N'hésitez pas. De temps en temps, je partage des pièces d'élèves sur mon mur Facebook ou encore mon Insta. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et ça vous permettrait de progresser. Pareil, si vous avez envie de me soutenir un peu, n'hésitez pas à faire un petit saut sur Patreon, c'est toujours bienvenu, ça me permet un petit peu de mieux vivre de ma passion au fur et à mesure, et c'est très cool. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir une base de flamme déjà posée, que je vais pouvoir évidemment bien améliorer au pinceau, mais ça me permet déjà d'avoir une base pas déconnante. Ce que je vais décider de faire pour la suite, c'est assez simple, puisque je vais nettoyer mon aéro. Regardez vos commentaires, c'est nickel. Merci Sylvain, merci pour ce retour. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le live. Plus on est de fous, plus on rit, et c'est cool. Secouer les pots Procolor sans les avoir fermés, c'est le fun aussi. Ah ouais, salut Mathieu. Alors ouais, faites très attention parce que les Procolor sont très 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 liquides et en fait, ils ont un embout qui se visse. Donc surtout, prenez soin de bien les fermer parce que si vous les secouez sans les avoir fermés, vous êtes bon pour nettoyer un paquet de choses autour de vous. Et c'est vrai que malheureusement, quand ça arrive, c'est la loose. Si vous n'avez pas ou des difficultés à choper de la Procolor, la Liquitex en magasin d'art est très bien aussi. Les deux se valent. De base, je miserais quand même sur la Procolor parce que ça fait un bail que je l'utilise. Mais vous le savez, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas de Procolor, parce que c'est pas forcément une gamme très facile à trouver, vous pouvez passer sur de la Liquitex. Ça ressemble à ça. Bon, ça, le pot est un peu dégueu, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble. C'est avec une petite pipette et ça marche assez bien. Ensuite, ce que je vais continuer, ça va être... la plupart du temps, quand je veux me faire un tabletop rapide, ce que je vais faire là, c'est assez simple. Ça va être de passer mes encres. Alors, j'essaie toujours de le faire avec un pinceau de moins bonne qualité que celui qui a déjà un peu vécu, on va dire. Je vais en prendre un qui a déjà un peu vécu. Et je vais commencer tout simplement à passer quelques encres. Donc, la contraste est bien. En ce moment, je l'utilise pas mal. Si vous trouvez qu'elle est trop couvrante, un peu de médium, ça marche très bien. Là par exemple, ça va me permettre de baser de façon un peu brutale toute la zone de fourrure sans trop pinailler, sans trop me prendre la tête. Et normalement, par transparence, je vais quand même réussir à conserver un peu des lumières rouges que j'avais posées, comme vous le voyez. Donc ça pose pas de problème, ça va dans la bonne direction. Et ensuite, de toute façon, il faudra venir cleaner. Alors je crois que j'ai arraché un peu de peinture au passage, donc de toute façon, ça va faire partie de zones que je vais devoir retravailler par la suite, mais c'est comme ça. La peinture aéro parfois est un peu fragile sur la pièce, c'est des choses qui arrivent. Donc si ça vous arrive, faut prendre son mal en patience et tranquillement retoucher.
J'espère que ça ne vous arrivera pas trop souvent, parce que c'est assez pénible, comme vous voyez là. Ça n'a pas adhéré. Ça me permet juste en fait de dégager un peu la fourrure. Je peux très bien aussi l'appliquer un peu sur, sur par exemple cette petite sacoche, quitte à avoir ensuite un traitement différent, mais ça me permet déjà d'avoir un marron qui fonctionne correctement, on va dire. Je vais essayer d'appliquer aussi cette méthode, l'encre, je vais aussi la passer sur la zone de corne pour un peu la dissocier du reste. Sachant qu'il y a aussi les bandelettes, mais que la partie haute est en métal. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire en marron? Bon, pour le moment, je vois pas d'autre chose à faire spécialement dans cette teinte-là, donc je vais arrêter pour le marron. Je vais peut-être passer assis, peut-être dans les creux du... Je vais voir ça plus tard, peut-être. Je vais passer aussi une encre pareille, mais cette fois, je vais mettre du basilicum grey sur toutes les zones de métaux. Ça va permettre de bien tomber dans les creux. Alors, ça va évidemment tout pas mal assombrir. Donc, voilà, ça, je pourrais peut-être l'éviter. Je pourrais éviter de le faire, mais dans le principe, ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus sombre, mais de bien démarquer. Pour pareil, on conserve quand même un peu le traitement de lumière qui a été posé à l'aéro de toute façon, donc ça c'est toujours bon à prendre. Donc c'est vrai que c'est moi je trouve les contrastes assez pratiques pour avoir un résultat simple et rapide, parce que typiquement vous aurez, enfin, on peut très bien passer cette teinte là directement sur une sous-couche blanche, ça marche très bien aussi. L'intérêt de l'aéro là, c'est plutôt de pouvoir poser quand même quelques lumières en amont, quelques lumières un peu globales pour s'aider dans les différentes étapes. Pour ça, c'est pas déconnant. Elle marche quand même moins bien sur les surfaces très lisses comme les zones d'armure là que je suis en train de passer. Mais tant que vous tirez assez bien la peinture, normalement, ça fonctionne. Donc voilà, pour les petits tips sur la contraste. C'est quand même un gain de temps non négligeable, hein, surtout quand on base des figurines de jeu. Donc là, il a un peu de côte de maille aussi. On va s'en donner à cœur joie. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous êtes en train de peindre en ce moment. Ce que vous cherchez à améliorer dans votre façon de peindre, voilà, si je peux vous donner un petit retour aussi, c'est bien. Petit rappel aussi pour les gens qui me suivent sur Patreon, on est bien, enfin là on arrive à la fin du mois, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, que je puisse vous faire vos retours en film, enfin via Photoshop. Donc c'est un petit truc sympa et au final ça vous permettra de progresser, donc balancez ça, c'est toujours bienvenu. Je crois que j'ai reçu celle de Stéphanie, je crois que j'ai reçu celle de Stéphane Michel, mais voilà, pour le moment c'est tout, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc voilà pour ce petit démarrage tranquille. Là, cette zone me dérange, donc je vais revenir un peu à l'aéro par la suite, mais on va attendre un peu que tout ça sèche. Quand vous n'avez pas trop le temps, ici je vais nous faciliter un peu la vie simplement avec un petit coup de sèche-cheveux. Alors c'est bruyant, désolé, mais ça permet quand même de faire sécher les encres beaucoup plus facilement. Salut papaye! Salut Yanis, salut Sipi, vous peignez quoi? Salut Terreur, Chamfrog, salut Mo, salut tout le monde, salut à toi. Alors Olivier, tu me dis que tu peins des nécrons, c'est très cool ça. Ouais, j'ai kiffé les peindre, toujours sur mes Outriders. Ouais, c'est long, hein, c'est quand même archi long, je te rassure, moi j'en ai tout juste fini un tout à l'heure là, et je sais que je vais devoir m'en faire au moins deux demain. Pour bien faire, je les ai commencé en live avec vous d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai que c'est long, ça prend le temps, mais voilà, faut faire les choses bien, c'est quand même des belles bestioles.
Donc là, je vais revenir un peu à l'aéro juste pour camoufler le gros pâté que ça a fait en arrachant la peinture, malheureusement. Donc ça, rien de tel que l'aéro pour camoufler un peu. Enfin, tout du moins en théorie, si ça accroche correctement. Et ça a l'air d'être le cas, donc tant mieux. Donc là, ça me permet tout simplement de revenir. J'en profite pour revenir sur toute la cape, évidemment. Tant qu'à faire. C'est pour ça que j'ai séché aussi un petit peu avant, simplement pour avoir quelque chose de sec sur lequel je passe mes petits coups d'aéro. C'est quand même globalement un peu mieux. Ça me faisait trop psychoter, alors que c'est le genre de truc d'habitude où je m'en balèque. Je continue à avancer, mais là, quand on bloque, des fois, c'est bien de passer les petites couches qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ça mange pas de pain. Je vais revenir avec. Je vais refaire sécher un tout petit chouïa parce que j'ai senti que là, il y avait de l'encre qui bougeait dans certains creux. Désolé pour le bruit, hein. Dis-moi, chérie. Là, non, dans l'autre. Je crois dans le petit qu'on a Photoshop. Ouais. Donc là, je vais rajouter un peu de blanc dans mon marron juste pour finir d'éclaircir ma. Mince, j'en ai mis un peu beaucoup. La fourrure. Donc, comme d'hab, je fais buller. Je fais très attention parce que sur un malentendu, ça me gicle à la gueule. Donc là. Voilà, c'est ma couleur de base et là je commence à avoir la couleur plus claire qui sort. Donc ça c'est cool. On va vraiment. Ces pièces se prêtent quand même énormément à l'aéro. Donc même si vous avez jamais touché d'aéro et que vous avez ce jeu, bah, n'hésitez peut-être pas à vous lancer. Maintenant il y en a des très peu chers sur des sites ou même en boutique parfois. Vous trouvez des aéros pas chers du tout. Ça peut arriver. Et ça vous permet de tester. Moi j'avais commencé avec un aéro pas cher aussi. Ça vous permet de tester, de vous faire la main, d'éviter de claquer un fric monstre dans un outil qui est hyper pas si facile que ça à prendre en main. Et en même temps progresser et avoir un meilleur niveau, hein. C'est toujours le but. Faut pas se braquer, même si après le mieux quand on a un aéro, c'est d'avoir une petite surface de peinture régulière sur laquelle vous pouvez revenir et peindre. Alors, salut Mo, là je peins du paladin d'Alan. Ah, Mirvilis, c'est beau ça, du paladin d'Alan. Bah écoute, moi j'ai fini un équanime là il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé, faut que je fasse un montage vidéo. Mais j'ai bien hâte de pouvoir vous partager ça, je l'ai peint en cours avec Cyril et c'était vraiment un super moment. Et vraiment j'ai hâte d'avoir plus de rakam à peindre. En ce moment en commande, j'ai pas de rakam à peindre et c'est vrai que putain ça me manque parce que rakam c'est quand même le kiff. Par contre j'en ai en petit projet perso, mais en projet perso il y a tellement de choses qui sont sur le feu en même temps que ça en devient compliqué. Mais clairement ouais, rakam, à chaque fois que je monte des pièces rakam à des gens qui ne connaissent pas parce que tout simplement ils sont pas forcément de nos générations. Rakam est mort en 2010 je crois, quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'à chaque fois ça fait mouche quoi. Les gens me disent non mais c'est ça a vraiment autant d'années que ça, et parce qu'ils étaient très en avance sur leur temps. Donc là pour mon nom métallique je vais revenir tout simplement au blanc, hein, pour pas changer. J'aurais pu partir sur un métallique doré d'ailleurs. Bon, je ferai peut-être ça pour la prochaine. Là j'avais probablement pas envie de m'ennuyer plus que ça, mais c'est vrai que le métallique gris, enfin voilà, c'est assez simple. Sur le principe de base, on n'a pas besoin d'un milliard d'éléments, donc pour ça, c'est vrai que c'est assez cool. Donc là, comme d'hab, on va commencer par tranquillement rehausser les arêtes. Puis on va commencer à créer les petits reflets de lumière à droite, à gauche. Ouais, les paladins d'Alan, enfin bref, toutes les figurines Rakam, franchement. À chaque fois que j'en retrouve, bon, moi je suis très fan de Dirtz. Parce que j'avais une armée et que je me régalais. Et dernièrement, sur les dingues de jeu, d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je pense que Pierre va continuer à proposer quand même pas mal de vidéos, là. Malgré le confinement. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, parce qu'à mon avis,
Ça va fuser et là dernièrement il a refait un peu de racam à l'ancienne, c'est cool je trouve. Et j'espère qu'on aura l'occasion de s'en refaire. Donc rapidement on va poser ces différentes petites lumières, ces différents petits rayons, ces différents petits reflets de lumière. C'est vraiment la base du nom métallique, c'est des contrastes assez marqués, assez forts, qui vont permettre de donner l'impression à l'œil que c'est du métal qui scintille en fait. Et plus on va multiplier les petits reflets et mieux ce sera. Mais plus ce sera chronophage évidemment. Donc après à vous de gérer un peu votre curseur temps, motivation et rendu pour que ça matche le plus possible avec vos attentes. Après si vous débutez évidemment on pourrait dire entre guillemets que voilà, passer quelques encres déjà, sortir des figurines avec des couleurs dessus, c'est déjà génial, je veux dire. Faut pas se voiler la face et jouer aux gens de la figurine hyper élitiste, c'est pas le but de la chaîne à la base déjà. Et c'est pas le but de la manœuvre, c'est d'inciter les gens à peindre surtout, et à voir qu'il y a des effets qui peuvent paraître compliqués, mais qui ne le sont pas tant que ça. Après, ça demande du temps, hein, mais bon, je pense que du temps, on va commencer à en avoir de plus en plus, en tout cas, je l'espère, dans les temps qui vont arriver. Et ce sera l'occasion de s'essayer à de nouvelles techniques, de s'essayer à de nouveaux types de figurines. Moi, je sais que je vais devoir aussi peindre un petit peu de Simili Wolfen, mais je me rappelle plus du nom de la gamme. Mais Régis m'a donné ça à peindre et franchement, les pièces sont très chouettes. J'en ai déjà peint une d'ailleurs et je trouve que c'est des concepts assez originaux dans la mesure où ils ont repris un peu la pâte racam, mais à leur sauce et ils vont assez loin dans le délire. Je dois avoir un genre de Wolfen samouraï qui traîne. Très, très classe avec un arc, tout ça, enfin c'est vraiment de belles pièces, je trouve. Alors là, je reviens pas trop sur la partie basse, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore de l'encre en train de sécher, parce que je suis quand même allé comme un goré. Hein. Ceci dit, c'est ce qu'il faut faire honnêtement pour bien que ça marque hein, les parties basses, c'est pas plus mal. Mais en attendant, si je reviens dessus, ça va être une cata. Donc vraiment laisser autant à la peinture de sécher. Vous remarquerez que j'insiste pas non plus de fou sur toutes les zones où je passe, sachant que en gros, ça va beaucoup se passer en passages successifs. Je laisse autant à la peinture de sécher, c'est crucial et très souvent les gens se méprennent, insistent de trop et ont tendance à finalement avoir un résultat qui ne leur convient pas puisqu'ils vont avoir tendance à arracher leur peinture ou à faire des choses qui ne malheureusement qui vont pas. Donc vraiment prenez votre temps, vous faites un passage, vous essayez de faire un passage un peu de blanc sur toute la pièce si nécessaire et vous revenez faire un deuxième passage si c'est pas assez intense à votre goût. N'hésitez pas à faire comme ça pour éviter d'insister de trop et finalement casser un peu le travail que vous faites au fur et à mesure. C'est pas le but, c'est d'avancer, pas de reculer autant que possible. N'est-ce pas, Julie? J'essaie de faire participer un peu Julie, même si elle a d'autres choses à faire, évidemment. Ah, c'est que je suis concentrée, mais Qu'est-ce que tu fais de beau, raconte-moi. J'aimerais bien faire la peinture là dont je t'ai parlé, là, tu sais, avec la moulinette. Ah oui, celle pour Maison Rouge là. Ouais. Ouais, c'est cool. Maison Château Rouge, Maison c'est quelque Château chose, Rouge, Maison pardon. Rouge. Pourquoi je dis Maison Rouge Je d'ailleurs? sais pas. Je dis souvent Maison Rouge, tu veux dire? Non. Bon, ça veut dire, on parle pas de ça non plus tous les 4 matins. Hein. Alors, n'hésitez pas hein, à participer si vous avez. Bon, après, si vous êtes en train de peindre, évidemment, je peux comprendre que vous puissiez pas forcément bien noter sur votre petit écran. Là, normalement, la connexion est meilleure parce que, bah, figurez-vous qu'on a enfin un technicien qui est passé pour la fibre, mais elle est assez D'accord, changeante. quoi.
C'est pas. Enfin, on est chez Bouygues et c'est pas oufissime, quoi. On a eu plusieurs problèmes d'affilée. Et en fait, la connexion est assez irrégulière. Alors, c'est probable que c'est parce je suis en Wi-Fi et pas directement câblé. Donc, peut-être que je changerai ça. Mais bon, voilà, c'est très irrégulier. Donc, si jamais chez vous, vous captez mal ou si jamais vous voyez que ça lague un peu, hop, vous mettez un petit message en commentaire et c'est toujours bienvenu de toute façon. Et puis, moi, j'essaierai de changer tout ça. Mais normalement, par rapport à la semaine précédente, ça devrait quand même mieux marcher, je pense. On a Guimi qui s'est mis à ronfler. Je sais pas si vous entendez, je pense pas, hein, parce que. Mais c'est toujours assez épique quand il s'endort celui-là. Donc voilà, je continue gentiment mais sûrement sur mon nom métallique. Cette fois, je passe sur le casque. Au final, le nom métallique va être plus sombre que ce que je voulais au départ. Mais bon, pourquoi pas. C'est forcément l'encre qui fait ça. C'est quand même de rehausser hein, toujours toutes les arêtes en non métallique, c'est assez important. C'est un peu un des principes de base. Donc j'ai jamais joué encore à Super Fantasy Brawl. Si vous avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours bienvenu. Ainsi, j'essaie toujours de finir un peu plus vite les pièces que j'entame parce que sinon, en fait, entre les cours, les sessions en live, je vais avoir tendance à laisser traîner un peu trop de figurines sur mon établi et ça me rend fou. Entre autres choses, j'ai toujours mon Ghazgul qui traîne et cette pièce est infinie, quoi, tellement elle est complexe. Et bah, je me réjouis de la peindre à chaque fois, mais c'est long. Surtout quand au début je voulais vraiment faire un travail super hein, poussé partout, là plus ça va, plus je me dis bon, ce sera pas forcément possible, mais je verrai. De toute façon, je filme en ce moment aussi ça. Donc voilà, je peine un peu à finir les montages pour mes boss sur Patreon ces temps-ci parce que bah, beaucoup de choses en parallèle sur le feu. Mais promis, je vais tout faire pour avancer encore plus vite. Et puis là, comme ça me permettra de proposer à tous du contenu durant le confinement. Donc, comme je disais, je vais essayer de passer à deux lives par semaine, tant qu'il y a le fameux confinement. Peut-être un le mardi et un le vendredi, et un le jeudi, pardon. Donc je conserve celui du jeudi et je vous ajoute celui de mardi. Dites-moi si ça vous convient, si vous aimeriez autre chose. Enfin, n'hésitez pas. Hein. Je suis assez ouvert sur ces points-là, il n'y a pas de souci. Alors ça dit quoi? Oula. C'est pas là-dessus qu'il faut que je peigne. Jonathan qui me dit ma passion c'est ma fille. Et puis ben, t'as bien raison. Ward, en Rakam, moi je peins en mode lent, le Minotaure des Fatis en 6 ans, j'ai fini l'armure et le pagne. Ouais, super lent. Bah putain, ça va claquer quand t'auras fini, quoi. Sylvain qui dit, j'ai un orque Rakam arrivé dans la boîte aux lettres ce matin. Oh, c'est bon ça. Papaye qui me dit, t'en es où de Bushido? Alors Papaye, ben moi j'ai peint 2 figues. Pour le moment, il m'en reste 2 assez simples à peindre. Et j'en suis que je cherche des gens pour m'initier, mais que pour le moment, bah, j'ai personne. Et puis là, avec le confinement, j'ai peur que ça repousse d'autant plus. Les potos qui voulaient s'y mettre, dont le petit Sylvain dans le chat qui a embrigadé toute une bande de Parisiens, bah, au final, ils tardent à finir leur pièce. Mais je pense que dès que je trouverai quelqu'un pour m'initier, si j'arrive à trouver quelqu'un, bah, du coup, j'essaierai de rusher la fin des 2 dernières pièces qui sont pas les plus emblématiques, puisque les plus emblématiques, c'est les 2 que j'avais déjà fait, que j'avais déjà commencé en live. Et du coup, je reviendrai dessus bah, quand je saurai que je vais y jouer, parce que là, comme j'ai pas de news,
J'essaye de pas trop m'exciter parce que je considère que ça sert à rien si je joue pas avec par la suite. Donc là voilà, hein, vous voyez, je rehausse pas mal au blanc directement, pas se prendre la tête, directement pousser au blanc, tapoter, tirer la peinture. On peut jouer avec la peinture finalement. Alors ensuite ça dit quoi? Je fais un check vite fait. Terreur, je me fais un chocolat chaud right now car il fait froid, frais ici. Putain, tu donnes envie. Jonathan, top nickel, merci. Alors Olivier qui me dit que c'est un excellent jeu, fluide et nerveux, ça me fait plaisir. Ça me va le mardi et le jeudi pour CP. Il y a Sylvain qui dit j'essaierai de les finir quand je les aurai commencés. Ouais, il parle des Bushido évidemment, hein, à mon avis. Je risque pas d'y jouer bientôt à ce jeu. Et ouais, pour les mardis, je me dis que ça peut être chouette, ça peut changer un peu les idées. Moi, j'essaierai d'avancer un peu mes projets perso en votre compagnie. Et puis vous, comme ça, vous pouvez peindre en même temps, ou jongler, ou me mettre des petits commentaires de soutien, ou ce que vous voulez, ça me fera toujours plaisir, quoi qu'il arrive. Alors là, en dessous, normalement, il me semble que c'est du bois. Mais je vous avoue que je vais faire mon gros branlos de flemmard, et je vais juste pousser les éléments... comme si c'était aussi des zones en métal, juste parce que j'ai pas du tout envie de traiter deux couleurs différentes sur ce bouclier, que je trouve d'ailleurs très classe. C'est pour ça que je passe autant de temps dessus, je pense. On va voir si cette fois aussi je vais réussir à rusher la pièce aussi vite que la dernière fois. C'est pas dit du tout, hein, mais les pièces quand même sont simples, assez cool à peindre. Donc encore une fois, et pour rappel, je rehausse toujours au blanc, même dans les zones d'ombre, quitte à ce que le blanc dans les zones d'ombre, je le rehausse peut-être un peu moins souvent, du coup j'aurai une intensité un petit peu moindre que sur les parties hautes. Par exemple, si je dilue suffisamment mon blanc, forcément sur du noir, ça va avoir tendance à donner du gris, et ça nous permettra d'avoir des nuances de reflets un peu plus adoucis sur la partie basse, même si bah, il faut quand même du reflet pour montrer que bah, c'est du métal. Donc voilà. Là, j'atténue aussi les petits problèmes qu'on crée l'encre quand je l'ai passé, parce que c'est pas forcément, ça tombe pas forcément à la perfection évidemment, sinon ce serait trop facile. Là, mes traits sont un peu trop réguliers, ça fait limite un carré, ce qui me gêne, donc je vais tout de suite les estomper, en créer d'autres plus épais par exemple. Et ensuite, je peux juste rehausser de quelques petits points de ci, de là. Donc voilà, je continue. De toute façon, hein, comme d'habitude, vous le savez, une fois que j'ai commencé le nom métallique, j'essaie la plupart du temps de le rusher un peu pour commencer à avoir une vision assez nette sur l'ensemble de ma pièce. On essaye systématiquement de préserver un petit peu certaines zones sur les teintes qu'il y a en dessous, juste en passant des teintes qui vont être assez diluées pour laisser transparaître les couleurs qu'il y a en dessous. Ça va permettre un gain de temps, et en plus ça va permettre d'avoir quelque chose de plus vivant, de plus sympa, que si on posait que des aplats successifs en dégradant des couleurs. Là en plus on gagne du temps, et en temps et en qualité de rendu. De façon générale, c'est quand même plus agréable. C'est une méthode, c'est un coup à prendre. Alors c'est sûr que ça demande un certain investissement de temps,
mais ça vous permet derrière sur cet investissement en temps de vraiment fiabiliser, rentabiliser vos mouvements de pinceau, tout ça. C'est toujours cool à apprendre. De toute façon, dès que vous pouvez apprendre de nouvelles méthodes. Moi là, je suis en train de regarder un peu pour peindre du char, pour Dust et tout ça, et je vais essayer de faire quelques tests avec des produits MIG. Pour le moment, je suis un peu perdu sur leur site, donc j'avoue que pour le moment, j'ai pas sauté le pas, mais ça viendra un moment ou un autre. Puis j'essaierai de vous en faire profiter comme à l'habitude. Voilà pour le moment, j'avance bien. Alors je sais pas si vous entendez les ronflements de Gimli, mais là j'ai l'impression qu'il s'en donne quand même à cœur joie derrière. En tout cas moi j'entends très bien une vraie petite trompette. Je reviendrai au noir dans le creux de sa corne là. Et ça ce sera plus tard. J'essaie toujours de me focus sur certains effets. J'essaie de les appliquer un peu à toute la pièce avant de continuer sur autre chose. Ça me permet juste de rendre la chose plus facile. Étant donné que je reste que sur une couleur, ça me permet vraiment de gagner encore une fois en temps, en application, tout ce que vous voulez. C'est ouf, il ronfle mais d'une force le bordel. Alors, Sipi, Sam Valmarnin, c'est déjà un super résultat, bonne nuit à tous. Bonne nuit Paul, c'est ouf, waouh, merci, merci beaucoup Mathieu, ça fait plaisir. Bah j'essaye, hein. J'essaye en tout cas de me faire plaisir sur ces pièces parce que... c'est du perso, que je peins pas forcément énormément souvent pour moi, mais voilà. Quand je peins, là en ce moment j'essaie de me faire plaisir. C'est pas si complexe que ça ce que je fais, surtout sur des pièces aussi grandes. Vraiment je vous conseille de vous lâcher, d'essayer parce que ça les effets comme ça fonctionnent très bien. Ça matche parfaitement avec la figurine. Donc c'est vrai que ça, la figurine aide beaucoup, clairement. Pareil, hein, à chaque fois que j'ai une surface un peu en forme de tube, j'hésite pas à multiplier les reflets avec des petits traits. C'est assez simple, mais ça fait souvent le taf. En tout cas, c'est plus simple qu'il n'y paraît, ça c'est certain. Parce que c'est que des multiplications de lignes comme on fait très souvent sur du NMM. Et là, ben, on les crée un peu. Je m'appuie pas mal aussi sur tout simplement la lumière que je vois tomber sur la figue et qui a tendance à faire naturellement briller certaines zones. Donc je vais essayer de reprendre à chaque fois ces zones-là et créer des petites zones d'éclaircies plus intenses. N'hésitez pas à me dire hein, si vous entendez les ronflements de la bête derrière. Ça me ferait bien marrer que vous les entendiez. Parce que franchement, c'est assez épique. Bah, il a arrêté. Ah non, j'ai rien dit. Par contre, le son s'est arrêté. C'est marrant ça. Voili, voilou. Bon, j'avance tranquillement. Je vais juste regarder. Ah oui, il m'a mis en pause. Il y a un petit décalage entre le live et... Ça me dit que la connexion est excellente. Donc en théorie, vous devriez à peu près tout voir correctement, ce qui me réjouit parce que c'est vrai que les précédents lives, c'était un peu plus chaotique. Comme je disais, j'essaie de préserver un peu les lumières que j'ai en dessous, par exemple pour les effets d'OSL. Ça ne m'empêchera pas en fait de les perdre un peu, mais on reviendra par la suite les marquer de nouveau si nécessaire, c'est pas du tout un souci. Surtout que par exemple ici, je pourrais très bien revenir avec du jaune plutôt,
pour montrer que la lumière n'est pas une lumière blanche mais jaune, et ça me permettra de toute façon de booster ces aspects là sur le marteau. Donc, la fois je vous le disais aussi, c'est Nico Prime qui a fait pas mal de vidéos sur les Fantasy Brawl. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur sa chaîne, c'est cool de faire ça. J'ai pas encore eu le temps de les regarder à chaque fois, je me dis putain, il faudrait que je les mate. Mais j'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais je ne doute pas qu'il a fait ça bien au petit oignon. Zut, comme dirait Julie, zut, zut, zut. T'as fait une bêtise? Non, mais j'arrive pas à envoyer les photos sur mon mail. Ça m'embête un peu. Elles sont trop grosses, tu veux dire? Non, parce qu'elles sont parties, mais elles sont pas arrivées. Ah, mais c'est. T'es sur quoi comme connexion? T'es sur ton téléphone? Bah alors dans ce cas-là, faut peut-être juste laisser... en fait, tu laisses connecter le temps que ça envoie, parce que des fois, ça avorte l'envoi si tu te décodes de ton mail pendant que c'est en train d'envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a une question de temps aussi, parce que j'imagine que tu t'es envoyé des photos quand même de bonne qualité. Et si c'est en bonne qualité, bah forcément, ça met du temps à arriver, quoi. C'est pas aussi instantané en tout cas. Là, je reviendrai aussi, mais probablement plutôt avec du noir, hein, par là. Comme je disais, j'essaie toujours, même si c'est pas simple, de préserver un peu les zones rouges. Et encore une fois, si j'y arrive pas, de toute façon, rien ne m'empêchera de revenir dessus par la suite. Pour accentuer ces petits effets, ça va toujours bien. Très classe ce nain, hein, franchement. Ils ont fait du bon boulot, et puis leur dernière campagne à Mythic Games a super cartonné, et ça m'a fait bien plaisir pour eux. Toujours pareil, hein, les zones un peu sphériques. C'est un point de lumière rehaussé par le dessous un peu, avec encore de nouveau de la lumière. Bon, quand c'est tout petit, on pourra très bien revenir par la suite affiner. Mais déjà, ça permet de se mettre une... Alors pour info, je peins avec du coup, la couleur blanche, toujours Liquitex, celle que j'ai utilisée pour l'aéroom. C'est vrai qu'elle est assez pratique parce que pour rehausser les arêtes comme ça, elle va être potentiellement un peu moins intense que d'autres teintes. Que d'autres couleurs quoi, mais elle a cette qualité d'être déjà diluée. Ça vous permet quand même d'attaquer directement les réos sans vous prendre la tête plus que ça. Comme je disais, sur toutes ces zones, je pense que je reviendrai quand même au rouge, à l'orange, pour vraiment booster l'effet d'OSL. Mais là, pour le moment, j'essaie déjà juste de préserver les zones de rouge déjà existantes. Et ça n'empêchera pas de revenir par la suite, évidemment, sans problème. Donc, plus on va multiplier les petits points, les petits rayons de blanc, plus ça va donner cette sensation que le métal brille. Et ça, c'est toujours bienvenu sur un nom métallique. Évitez de trop vous étendre. Faut vraiment, plus vos traits seront fins, mieux ce sera, évidemment. Et s'ils ne le sont pas assez, vous pourrez revenir toujours les corriger, les affiner. Donc là, je commence à avoir le pinceau un peu sec, donc il va falloir de toute façon que je repasse un petit peu à mon pot d'eau. Je secoue bien mon pinceau toujours et hop. J'y retourne. Je vais regarder un peu vos commentaires aussi, puisque là je les ai squeezés. Alors Jonathan qui demande si tu vas bien. Moi? Ouais. Oui, ça va très bien. Raconte-nous ta vie si tu veux.
plaisir de passer ma journée avec mon chéri une fois sur deux, c'est bien. On a passé le week-end à Montpellier, c'était cool aussi. Ouais, ça faisait du bien de revoir la famille un peu. Le petit Yimmy était très sage dans le train. On a tous bien fait. Et puis voilà. Et puis je continue un peu ma peinture et ça me fait plaisir. Ça fait du bien, hein? Ouais. Ouais. Il faut que j'aille plus vite. Non, je pense pas. Hein. Franchement, je te trouve quand même hyper efficace. Hein. Moi, je pense qu'il faut que tu peignes plus régulièrement. Mais, oui, voilà. Non, oui, je parlais de ça. Oui. Ouais, c'est plus la régularité, parce que je trouve que en termes de peinture, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son Insta pour voir ses toiles et tout ça. Son Insta, c'est Chupitos de la Mancha. On vous le mettra en commentaire si vous voulez. Ou Julie, tu peux aller le mettre. Via ton Instagram, les choupitos, c'est entre nous. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu, c'est déjà une rosta, elle veut même pas partager. Non, si, mais je vais changer, j'ai mis Julie Choupitos, c'est entre nous. Ah bon? Putain, ouais. Vous avez vu comme je suis au courant de rien, non? Oh. Ah, il s'est réveillé, Gimli? Non. Il dort comme un loir. Quoi, un loir? Un animal qui dort. Ah ouais? Ouais. C'est cool. Bah, c'est l'expression. J'aimerais bien être un loir, moi. Ouais. C'est bien, non? Carrément. Ce serait Maud le loir. On voudrait tous être un loir. Yes. N'hésitez pas, hein, même si vous êtes que de passage, en viteuf, n'hésitez pas à poster un petit coucou, à mettre un petit like pour le référencement de la vidéo, c'est toujours bienvenu. Et si vous cherchez des tutos sur plein de trucs différents, n'hésitez pas à demander, je vous dirai si on a déjà ça sur la chaîne, ou si c'est en cours, ou si ça va viendre, parce que ça fait plaisir toujours, hein, de pouvoir vous partager tout ça. Ouais, je suis quand même assez content, parce que la dernière fois je faisais un check et je crois qu'on a plus de 200 vidéos sur la chaîne. Donc il y a quand même beaucoup de sujets qui sont traités. Bon, certaines forcément deviennent un peu vieillottes, donc il faudra que je les retourne, entre autres choses celle sur l'aérographe, hein, parce que tout évolue en permanence, donc voilà. Bon, elle reste assez utile à tous et ça c'est très cool. Après peut-être que certaines passeront en... je suis en train de réfléchir à un moment donné à peut-être proposer plus de ces vidéos uniquement à mes Patreons, mais bon, ça en cours de réflexion. Donc, je vous tiendrai informé de toute façon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Patreon, c'est un site qui permet de soutenir les artistes que vous aimez bien dans leur création et tout ça. Et moi, ça me permet tout simplement d'avoir un petit groupe de fous furieux qui me soutient et à qui je fais des retours un peu toutes les semaines et qui a accès à des vidéos en avant-première la plupart du temps tout au long de l'année. Souvent d'ailleurs en décembre j'essaye de faire un petit marathon, je sais pas si je vais tenir cette année, avec un petit calendrier de vidéos. Je vous tiendrai au courant en fonction de l'évolution un peu de ma situation, de ma capacité à produire. C'est vrai qu'au final j'arrive à filmer, mais parce que entre les commandes, les cours et tout ça, ça me dérange pas de filmer. Par contre c'est le montage qui en ce moment commence à devenir un peu trop lourd pour que je réussisse à m'en sortir en solo, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Salut Jonathan, en fait les œuvres de Julie c'est des toiles, Jonathan, donc le mieux c'est d'aller voir sur son Insta, elle te l'a mis, Stéphanie, parce que te montrer ça avec la webcam, merci Stéphanie. Elle est trop forte Stéphanie, et te montrer ça avec la webcam c'est juste impossible parce que en fait mes réglages sont faits pour de la gurine et pas pour les toiles malheureusement. Mais à l'occasion, voilà, puis là on a filmé une fois où elle a peint justement une toile. Et là, il faut que je m'occupe du montage aussi un jour pour tout simplement pouvoir
proposer ça aussi sur son. Je sais pas sur quoi tu voudrais le publier. Je voulais faire vraiment une petite vidéo rapide. Pour Insta, en fait, d'accord. Ouais. Ben voilà. Abonnez, n'hésitez pas, hein, vous vous abonnez sur Insta. Comme ça, vous serez au courant au fur et à mesure. Après, c'est vrai que les gens qui suivent la figurine n'ont pas forcément cette passion-là. Ah oui, c'est différent, mais bon, quand on a souvent sur Insta, quand on suit, on suit souvent plein de créatifs. C'est pas. Ouais. Non, c'est pas. Je pense pas que les milieux soient aussi. Vous pouvez donner vos avis d'ailleurs en commentaire, mais je pense pas que les milieux soient aussi segmentés en vrai. Même si on est gros passionné de figurines, moi je suis pas mal d'illustrateurs aussi, tout ça, parce que nos inspirations elles sont quand même diverses. D'ailleurs, tu vois, en fait tes peintures me faisaient penser à ce que faisait d'ailleurs un figuriniste de renom, mais je crois qu'il est américain ou anglais, qui sculptait carrément des petites scénettes comme ça. Enfin, vraiment génial. Le mec, c'était un tueur. Je me rappelle, je crois que ça fait partie des gars qui, justement, à un moment, il avait sculpté une figurine qui s'appelait Escape. Et en fait, c'était une figurine qui, en fait, tenait le socle dans son dos, un peu comme Obélix tient un menhir. Et je trouve ce genre de pièce juste super inspirante. Quoi. Il avait aussi pris une figurine de La Torée, magnifique, en 54 mm. Et en gros, il avait peint comme une statue, il avait fait tout un échafaudage de petits bonhommes qui était en train en fait de sculpter la statue. Enfin, ce mec c'est un génie, quoi. À chaque fois qu'il sort une idée. Mais là, ça fait longtemps, je me rappelle. Voilà, faudrait que je retrouve et que je vous donne son blaze, parce que c'est quelqu'un de. Enfin voilà, c'est un ancien qui gagne clairement à être connu parce qu'il a fait des œuvres hyper inspirantes. Il a fait aussi un guitariste célèbre, mais qui est en train de sauter, en fait, en train de faire de la guitare, et qui saute. Et en fait, il y a toute la décomposition du mouvement en nuances de gris, tu sais. Et à la fin, la figurine, le perso en couleur normale, quoi. Et, enfin, c'est juste magnifique ce qu'il a fait. À un moment, j'avais vachement envie justement de sculpter une. Comment on appelle ça déjà, une araignée spectrale de chez Games Workshop. Comme ça, en mouvement, en train de sortir de la toile. Mais bon, autant vous dire que ça fait partie des mille et un projets avortés. Pour la simple et bonne raison que trop la flemme, quoi. Parce que ça aurait impliqué de sculpter une araignée, de faire des tirages résine, de dupliquer les mouvements, de bien. Et j'ai pas eu le courage. On verra si un jour les Games Day reprennent. Hein. Peut-être que cette idée regermera de nouveau dans mon esprit, que je me dirais, non, faut que je le fasse, c'est trop important. Mais pour le moment. Oh, ça doit reprendre normalement. Oui, c'est ça, mais après, tu vois, entre tous les projets, c'est pas dit que moi. Mais là, reconfinement, il faudrait qu'on ait des nouveaux projets, en fait. Ouais, je pense que reconfinement, donc nouveaux projets, je pense que t'as raison, Julie. Mais toi d'abord. Moi d'abord. Ouais. Ah oui, il faut que je fasse des peintures. Il y a Jonathan qui dit que tu peins trop bien. Oh là là, merci Jonathan. 2 points de plus pour le lèche-cul. Elle était trop facile celle-là. Alors je vois qu'on est en à peu près une 37 à regarder la vidéo, quelque chose dans ce goût-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous faire connaître en mettant un petit commentaire, en me faisant un petit coucou, voilà. Les commentaires, je crois qu'ils restent pas de toute façon sur la vidéo, donc vous pouvez y aller. Hein. Ça me fera toujours plaisir et voilà, comme ça, on partage ça tous ensemble. Je vais commencer à retravailler, peut-être que je vais baser. En fait, je me rends compte qu'il y a un peu de tissu là, mais je suis pas trop sûr de ce que c'est, donc je vais pas. Toujours des phases comme ça où je suis un peu dans le questionnement, mais c'est normal. Je vais pas juste rusher en permanence, hein, c'est pas humain. Mais je vais quand même finir mes petites zones de non métallique, ça n'empêchera pas de revenir dessus par la suite, mais au moins. Je me dirais en gros, ça c'est fait.
Ça fait déjà une petite heure qu'on est tous ensemble, donc voilà, j'espère que vous êtes bien, tranquille ou milou, que vous passez un bon moment, en bonne compagnie. Si vous avez des questions, parce que vous êtes novice, ou n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors même si forcément moi je ne réponds pas dans la seconde, vous avez plein de gens dans le chat qui sont très doués, qui pourront aussi vous répondre, j'ai toute confiance en eux. Et puis surtout, voilà, foncez, quoi. Je vais revenir un peu au noir. Pour deux trois fioritures mais qui me bloquent un peu et ça va me permettre d'y voir par la même occasion d'y voir un peu plus clair. Donc déjà ce creux là j'hésite pas à y aller comme un goréthos. Alors là j'ai pris le noir de chez toujours Liquitex mais je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix parce qu'il a tendance à être un peu brillant. Bon, de toute façon après je vernis toujours avec du vernis Talence mat pour tableau qui est juste extrêmement matifiant, donc ce sera pas nécessairement un souci, mais je vous préviens, il a des réactions un peu chelou ce noir parfois. Là ça a l'air d'aller. J'hésite pas à bien marquer ces creux là puisque bon voilà, on n'est pas non plus sur de la pièce de compète. Le but c'est surtout d'avoir une pièce jolie à la fin pour la foutre dans le groin des copains. Ça fera potentiellement ma deuxième figurine. Fantasy Brawl peinte. Je crois que pour pouvoir jouer, il en faut minimum 5 pour une game. Donc voilà, je vais continuer. Je crois que j'en peins une avec donc avec Régis. Normalement, j'ai un cours la semaine prochaine où on en attaque une. La plupart du temps, les sessions, c'est plutôt 2 ou 3 sessions qu'on se fait en cours pour finir une figue. Deux, trois sessions, la plupart du temps, 1 ou 2 heures. Donc ça va être entre 3 et 6 heures de taf pour une pièce, c'est pas non plus déconnant quand on voit un résultat sympa et qu'en même temps on apprend. Pour vous donner une idée, la plupart du temps, les stages en week-end de 2 jours, on peint une figue en 2 jours. Mais c'est vrai que on a un rythme assez freiné et des fois c'est pas. Alors que là au moins. Sur Discord, on va à notre rythme. C'est pas mal parce que ça, je donne des. À la fin de la session, très souvent, je donne des petits devoirs pour la semaine d'après, pour finir certaines zones simplement. Comme ça, on peut continuer sur une base saine. Et ça, c'est chouette. Encore une fois, et c'est vrai qu'en fait, j'ai privilégié Discord avec tous les soucis qu'il y a eu, et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un résultat régulier, des retours réguliers, et ça permet de progresser plus vite. Parce que c'est toujours pareil, il vaut mieux peindre un quart d'heure tous les soirs plutôt que 5 heures le week-end. Même si bon bah quand on peut faire que peindre 5 heures le week-end, c'est déjà pas mal. Je sais pas, c'est un truc japonais, je crois. C'était Frédéric Berf qui m'avait dit. S'était appliqué à ça, c'était il y a 1 an ou 2 quand on était à Essen. Il disait tous les jours je peins 15 minutes. Et franchement, il s'y était tenu, c'était pas mal. Hein. Il avait progressé assez vite. Je sais pas s'il s'y tient encore par contre. Là, je reviens au noir, hein, tout simplement. Excuse-moi, chérie. Dis-moi. Tu sais comment faire un capture d'écran sur les PC? Alors, je sais pas. Par contre, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est que tu as une barre de recherche en bas et tu tapes capture d'écran et la plupart du temps, ça te sort le petit outil le fameux petit outil de capture d'écran, tout simplement. Vraiment clair. Donc là, les petites pointes de noir, ça permet surtout de mettre un peu plus de volume là-dedans. Hein.
globalement, je vais potentiellement. Oui, il y a quand même. Il y a quand même l'anneau là qui me gêne. Si je passe pas de noir, ça va être gênant. Donc là, toujours pareil. Vous voyez, j'ai tendance à tourner, retourner la figurine dans tous les sens, mais c'est normal, c'est simplement pour toujours être dans l'axe le plus facile pour appliquer ma peinture en un minimum de passage. Ça a son importance. J'aime bien les bouchons d'ailleurs, les pots de peinture pour tenir les figurines juste avec un peu de pâte à fixe. C'est vrai que beaucoup de gens se sont mis à diverses poignées, mais je trouve que souvent les poignées prennent un petit peu trop de place à mon goût. Donc je trouve qu'en termes de facilité d'accès, des fois un simple bouchon fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gammes divers et variées là qui ont lancé leurs poignées, dont évidemment Games. Hein. Et je vois beaucoup de gens les utiliser, ça a l'air, enfin, globalement ça m'a l'air pratique. Le seul truc, comme je disais, c'est que la dernière session de cours, en fait, je me suis rendu compte que l'élève parfois pouvait pas faire pivoter sa pièce parce que la pièce était un peu petite et que la prise était un peu trop large. Donc voilà, faut juste trouver le truc qui match le mieux avec ce que vous voulez faire. Alors je vais regarder un petit peu les questions, s'il y en a. Donc, je vous montre un peu où j'en suis aussi par la même occasion. Alors, trop forte ta vanne, mort de rire. Elle peint trop bien Julie. C'était quoi ma fan, Jonathan? Je n'ai pas vu. Terreur et on met les pouces bleus. Merci, t'as raison, Skive. Van Gils, le peintre que tu citais en ref. Ah merci Skive, ça me parle ce projet d'araignée spectrale, ça date. Ah bâtard, ouais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Ward, à quand la peinture de statue? Yannis, c'est quoi le schéma que tu as utilisé pour l'épée du justicier? Je la trouve magnifique. Ah pour lui. Ah du judicar. Putain, bonne question. Bah je m'en rappelle plus mec. Je l'ai fait en live ou pas l'épée? C'est possible que je l'ai fait en live. J'essaierai de te répondre, mais là, comme ça, je me rappelle plus. Ah, je crois qu'en fait, je suis juste parti d'un... Alors, c'est tout bidon. Je crois que je suis juste parti d'une épée en métal que j'ai ombrée avec des passages successifs de noir que j'ai rééclairci légèrement avec du... avec du quoi? Avec... Que j'ai ombré, que j'ai éclairci tout simplement avec du mithril. Par endroit vraiment sur des lignes et ensuite je suis revenu avec du marron rouge un peu comme enfin du rouge que j'ai fait en que j'ai passé en jus pour avoir un effet de wassail. Ça va Julie? Oui, je sais pas ce que j'ai fait. Bah la télécommande je pense, c'est un classique. La manette? Oui, je vois rien. Bon Julie elle s'amuse à tout casser. Non, c'est ton bazar. Mon bazar? C'est ton bazar. Mais ça va, je suis rassuré, putain. Je vais me faire foutre à la porte, les amis, ce soir. Et toi, Skiff, tu peins quoi de beau en ce moment? J'espère que tu nous réserves des belles petites pépites. À moins que t'aies la flemme de peindre, parce que j'ai vu que... je t'ai vu partager de l'homme lézard, dernièrement, si je ne me trompe. Très beau comme à ton habitude. Chapeau l'artiste. Donc voilà, je rehausse un petit peu de noir partout où je le peux. Là j'affine un peu mes traits parce que c'est un peu épais je trouve. Ouais, c'est vrai que ce projet d'araignée spectrale, ça date, putain. Faudrait vraiment que je le fasse un jour. J'ai la foi, j'arrive pas à appréhender à voir comment l'attaquer, mais bon, ça fera son chemin. Ça fait un moment que ça fait son chemin, ça dit. Je pense que je vais gentiment laisser tomber le nom métallique pour le moment. Je
vais un peu m'atteler à rebooster mon effet de OSL. Je fais ça purement parce que, enfin simplement parce que c'est, enfin je fais ce qui me fait plaisir en fait. Hein, je, et dans l'ordre dans lequel je le sens, je me prends pas spécialement la tête. Mais c'est vrai que cette partie-là me, j'ai mis trop de jaune, hein, évidemment, vous l'avez vu. Mais ça va me permettre de mixer pour en faire mon rouge si nécessaire. Je vais revenir affiner. Je viens de revoir une zone où mon trait là, il est beaucoup trop épais, donc je vais juste venir l'affiner au noir un peu. C'est loin d'être ma zone favorite là, mais c'est pas grave. C'est marrant, il ronfle plus. Non, là, il se meule un peu, je sais pas si il a... Monsieur somnol. Ouais. J'avoue qu'on est content d'avoir Gimli quand même. Hein. Ça nous fait une... On peut sortir. Déjà, on peut sortir, c'est vrai que c'est pas mal, même si des fois ça me fait chier, je t'avoue. Mais bon, moi ça me met un rythme aussi, parce que c'est vrai que si je m'écoutais, franchement, je bougerais pas de la maison. Parfois. Pas tout le temps, hein, mais parfois. N'est-ce pas, Julie? Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas mal, ça fait une petite motivation. Je voulais faire plein d'expos là. Bah, moi je te suivais pour les expos, hein, c'est ancien. Non mais franchement, toujours être plein de toute façon. T'es dur aussi. Non. T'es dur avec moi, à chaque fois tu dis que je fais pas assez d'expos avec toi, mais... J'en ai fait, la dernière c'était quoi? Ah, on est juste allé à Montmartre pour faire les galeries un peu. Ouais, on était allé au musée d'Orsay. Ouais, mais ça c'était quand? Ça c'est pas récent ça. Mais c'est vrai que c'était cool. Ouais, c'était en septembre, mais c'est vrai qu'au final, depuis, c'est tellement le dawa à chaque fois. C'est vrai que Paris, au final, moi je pense que. Bah, on va. Normalement, d'ici un an, on va partir s'installer à Rouen, si tout se passe bien. Parce que. Bah, parce que ça va faire du bien, quoi. Parce que là, Paris, ça devient un peu. Ça devient compliqué. On va passer voir les amis. Ah oui, on viendra voir les copains, c'est sûr. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que. On va s'installer à Rouen, donc si vous avez des bons plans à Rouen, vous nous tenez au courant. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs organiser un stage du côté de Rouen à l'occasion. Bon, pas en ce moment, puisque de toute façon, il y a le confinement, mais ça me permettrait de rencontrer un peu la population et tout, ça pourrait être chouette. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Donc, comme je le disais, en fait, sur toutes les zones qui sont assez proches du feu, je ne vais pas hésiter à faire tout simplement mes reflets plutôt en jaune pour montrer que le feu se reflète un petit peu à droite à gauche. Même ici on peut se permettre, ouais ça va peut-être un peu loin là, mais au moins là. Ah, il se remet à ronfler, je crois. Ça aura pas duré longtemps, son somnolage. Donc, je continue. Hein. En fait, l'idée hein, sur un OSL, c'est toujours la même chose. C'est de montrer que la lumière la plus intense est, vient bah, tout simplement de la base de la flamme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais éclaircir la base de la flamme en allant de plus en plus au jaune pour vraiment que ça ressorte de plus en plus. Là j'ai quand même une bonne intensité, faut évidemment faire pareil sur toutes les zones de flamme, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et je pousse évidemment dans les creux, puisque bah, étant donné que la lumière a tendance à émaner du centre de la flamme, j'hésite pas à bien pousser dans les zones creuses.
Ben, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez la moindre question, c'est bienvenu. Vous avez la moindre réponse, je prends aussi. Le but, c'est d'échanger. Selon votre niveau, vous me dites un peu ce qui vous fait peur. On essaiera de, j'essaierai de vous aiguiller sur des façons simples de faire les choses parfois. Pareil, si vous avez des idées de tuto, pareil, ben moi, ça peut toujours me orienter mon prochain choix de montage, parce que j'en ai pas mal en cours. Donc là, je vais revenir un peu au rouge, voire même au orange, simplement pour gérer les nuances à droite, à gauche. Par exemple ici, donc là, c'est de la peinture qui est quand même assez diluée, hein. On va pas s'amuser à badigeonner de la peinture trop fat sur ces zones-là, au risque de perdre nos petits effets d'OSL qui vont bien. Là, la peinture, ça ne matche pas terrible, donc je vais booster un petit peu l'effet d'OSL. Gimli, il fait du boudin. Il veut venir sur toi. C'est vrai? Putain, pour une fois qu'il demande ça. Bah franchement, il n'est pas très câlin notre chien, il est plutôt jeu sauvage. Il aime bien faire le fifou, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Donc je reviens un peu orange pour démarquer un peu le début des flammes. Non pas sur les zones de creux, mais là sur les volumes et plus loin sur les flammes, cette fois dans les creux, toujours pour créer un décalage niveau de mes lumières. Si par exemple je me suis un peu planté, je vais revenir un peu orange, ce sera plus judicieux. Plutôt que de revenir, bah, j'aurais pu revenir directement au rouge, cela dit. Franchement, je me prends la tête pour rien. Mais bon. Donc ça fait le taf. C'est plus facile de dessiner sur du bois que. Bah ouais, je comprends pas pourquoi tu le fais pas sur bois en fait. Ben, c'est difficile d'accrocher une Ah panne oui, de une bois. toile en bois, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce que tu me disais, ouais, je suis. Bah t'as raison. Non, mais après, il faudrait que je trouve des petits panneaux plus légers. Mais faut demander, je pense que Ouais, Gérard peut-être trouvera ça. Hein. On a un voisin très sympa, on se file toujours des coups de main. Il a refilé à Julie quelques panneaux de bois très cool, mais assez massifs pour ses toiles. Donc. c'est cool, hein, je suis contente. Ah ben je sais, Et oui. puis j'en ai. Là, ce qui me reste, elles sont vraiment très très lourdes. Oui, c'est Je ça en sais pas. fait. Surtout ça, hein, parce que bah, après à accrocher un mur, c'est plus compliqué. Forcément. Donc là, hein, c'est juste quelques petites touches de rouge pour rappeler le côté flamboyant de la figurine. Pourquoi je prends cet accent débile, je sais pas. Bon, pour le moment, l'OSL, je vais me mettre en stand-by, juste parce que ça me saoule. Et je vais un peu passer sur le reste de la pièce, par exemple, au hasard, ou les gemmes, ou peut-être la fourrure. Je pense que mon nain, il va être roux, parce que j'aime bien les nains roux. Je trouve que le roux, ça va bien au nain. Et vu que j'ai dit roux 6 fois, j'ai un point bonus. Alors, ah, il y a David qui est là. Il y a Stéphanie, il y a Skiv. Alors, il y a Skiv qui me dit qu'il a bouclé les lézards. J'ai une grosse culture perso qui traîne en termes de peinture. J'essaie de la finir. Ah, ça, c'est cool. J'ai hâte de voir.
N'hésite pas à envoyer en MP d'ailleurs. Sipi, comment ça se passe pour prendre un cours et son prix? Où il y a un endroit où c'est écrit? Alors non, je t'avoue que pour le moment, il n'y a pas d'endroit où c'est écrit. Tu peux me contacter via Insta et je te dirai, mais en gros, ça se passe. Il faut avoir une webcam idéalement, parce que le téléphone, c'est pas suffisant. Et puis ensuite, via Discord, tout simplement. J'échange mon flux vidéo avec toi, on parle la même pièce, un peu comme on fait là, sauf que là, on a les mêmes pièces. Je te montre les étapes et tu les appliques, tout simplement. Il y a Stéphanie, on va pouvoir se voir plus souvent si vous venez à Rouen. Ben ouais, grave, avec grand plaisir. Il y a David qui dit bonsoir, moi et Julie, ça fait plaisir de te revoir jouer du pinceau. Ben merci David, pareil, ça me fait super plaisir. Je vais essayer de multiplier les lives là durant le confinement pour en caler un le mardi soir et un le jeudi soir pour partager un peu avec vous mes créas, mes avancées et tout ça. Je vais essayer de me remettre aussi un peu à sculpter. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, ce sera toujours bienvenu. Je reviens juste vite fait sur le crâne, parce que du coup là, sur le haut du crâne, j'ai remarqué sur la vidéo que ça manquait un peu de volume. Donc, je vais revenir booster ça avec quelques petits points de lumière. Oula, je manque un peu de blanc, donc je vais me resservir. Il y a... Alors ensuite, ça dit quoi, Julie? Bon, toi, Julie. Où se trouve Roanne? Pas loin de Lyon, Jonathan. C'est plutôt du côté de la Bretagne, si je ne m'abuse. Samuel Benoît, salut Mo. Bah, ça fait plaisir, salut à toi. Cool que tu peignes, merci. Ça fait plaisir. Et puis, ouais, je suis content. Je reprends petit à petit du poil de la bête. Voilà, tranquillement, mais sûrement. De toute façon, c'est une passion dans laquelle je suis tombé. Aussi pour ça, pour les qualités que ça a, à nous détendre et aussi à nous rapprocher les uns des autres. Donc, go quoi, faut continuer. On va rien lâcher. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une chérie qui peint, donc ça me motive d'autant plus qu'elle est à côté et qu'elle avance à mes côtés. N'est-ce pas, Julie? C'est hyper, hyper important, surtout par les temps qui courent. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de redévelopper des univers. Continuer à, si j'ai la chance de pouvoir trouver. Bon, là, je suis en train de bosser dessus, mais de continuer à développer l'univers d'Eden. Enfin, tout ça, en fait, c'est vraiment pour moi un super exutoire pour se changer les idées. Se changer les idées, voguer vers l'imaginaire, ne pas se prendre la tête avec les soucis du quotidien qui saoulent grave. Je vais revenir aussi sur le bas. En fait, je me rends pas compte, mais par exemple là, je suis en train de revenir sur le non métallique juste parce que j'ai vu un petit truc et du coup j'en profite pour rehausser sur plein de petites surfaces. C'est systématiquement comme ça que ça, c'est comme ça que ça part. Hein. De toute façon, on voit un truc, on va tirer la lumière, on en voit un autre, on va retirer la lumière encore. Et ça n'arrête jamais. N'est-ce pas, Joy? Ensuite, donc j'ai fait deux trois conneries, enfin j'ai fait deux trois choses. Je vais continuer maintenant sur, par exemple, sur quoi je pourrais continuer? Je vais peut-être me faire la barbe en roux et je vais peut-être continuer aussi la fourrure. Le problème que j'ai sur la fourrure, c'est que vous m'avez vu commencer avec un coup d'encre. Je trouve que et j'ai dû revenir malheureusement parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec l'encre et j'ai dû revenir à l'aéro et je trouve que ça a vachement écrasé quand même l'ensemble. Donc à voir. Donc là pour le moment je vais rehausser simplement au blanc pour commencer à faire des. Ouais, ça me plaît pas. Je vais plutôt rehausser au avec la teinte que j'ai utilisée d'aéro qui est plutôt un blanc cassé. Parce que blanc pur, ça va trop venir en conflit avec le reste et ça va me saouler. Donc c'est mieux d'avoir une teinte différente. C'est quand même plus pratique et ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus doux quand même. Donc, je vais juste essayer de créer un peu plus de volume dans cette foutue fourrure. C'est vrai que d'habitude, la fourrure, j'ai tendance à la traiter en jus successif de peinture pour ombrer au fur et à mesure sans trop me prendre la tête sur les volumes. Le seul bémol, c'est qu'ici, la fourrure, elle est.
En fait, le terme, c'est pas grossier, mais elle est très simplifiée, en fait. Et j'ai pas toutes les petites stries qu'on peut avoir sur sur des sculpture games, par exemple, qui vont beaucoup aider à ce que les encres tombent dans les stries, tout ça. Du coup, je suis un peu obligé de redéfinir ça. Bon. Bah, c'est long, hein. C'est super long et fastidieux, donc à voir. Est-ce que c'est le plus intéressant à vous montrer ce soir? Je suis pas sûr. Mais en même temps, faut bien que j'avance aussi là-dessus. Je vais essayer. Je reprendrai quand même le système d'encre pour au moins la partie basse, en espérant que ça n'arrache pas ce coup-ci la peinture. Après, je pense que je vais faire une petite pause d'ici 15 minutes, une petite pause de 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à le dire s'il y a des gens qui se questionnent dans le chat. Je mettrai simplement en pause le son. Donc, c'est normal si vous entendez moins. Je sais pas si vous êtes tous en télétravail, hein, mais voilà. Moi, de toute façon, ça change pas grand-chose à ma life puisque je bosse de chez moi. C'est vrai que c'est juste pas pouvoir sortir le soir, c'est un chouïa rageant. Voir les copains, c'est vrai que c'est toujours cool. Bon, ben, on va plus pouvoir là pendant un temps. Pour ça, Discord, c'est vrai que c'est pas mal pour, ben, comme je disais là, pour les cours de peinture, c'est cool. Ça permet quand même de garder ça et de progresser dans une période où, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc ça, c'est cool. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas, vous pouvez bah, poser vos questions, commenter, pensez à liker la vidéo aussi pour le référencement, ça aide toujours. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez que je peigne mardi prochain, du Brawl Star ou autre chose, je sais pas. Je regarderai, moi là je sais pas trop ce que j'ai envie de peindre. Mais il va falloir que j'annonce les lives un peu plus tôt aussi, puisque je me rends compte que plus je les annonce tôt et plus on est nombreux pour partager ce moment, donc ça c'est toujours chouette. Je crois qu'il a aussi des petites gemmes qui sortent de sa fourrure. Donc vous voyez la fourrure, c'est toujours un peu long, hein, mais ouais, faut le faire, c'est comme ça. Ça n'empêchera pas de revenir un petit peu au blanc sur les parties hautes. Je vais nous remettre du son parce que ça, c'est pas terrible. Alors, tu peins en NMM? J'ai du mal avec la technique. Alors, merci Samuel. Roanne, la ville angulaire entre Lyon, Vichy et Clermont-Ferrand, ben c'est cool. Jonathan, la famille, bonne nuit, je vais m'occuper de ma fille. Bisous. J'ai du mal avec la technique. Ouais, pourtant, je l'ai montré là depuis le début. La technique est cool et puis c'est pas non plus la fin, tu vois, c'est pas si inaccessible que ça. Beaucoup de gens sont un peu effrayés, je dirais. Mais c'est de la. Ben voilà, de toute façon, dès qu'on est en frais. Voilà, puis je pense que de toute façon, dès qu'on est effrayé par quelque chose, faut foncer d'autant plus tête baissée. Parce que c'est des choses qu'il faut travailler, quoi. Tout simplement. Parce que c'est pas. Y a rien. En vrai, il n'y a rien d'effrayant. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire et refaire. Donc là, je vais rehausser. Je vais commencer à pousser mes lumières aussi sur l'espèce de corps. Bon, je vais essayer quand même de simuler du bois parce que globalement ça manque un peu de texture. Même si c'est cool, c'est chibi, c'est très lisse. Hein. Ça fait partie des trucs qui sont un peu bizarres, surtout quand on, voilà, quand on part de peinture. Quand on est souvent sur des figurines games au final, quand on repasse sur de la figurine de jeu, de plateau comme ça. Forcément, ça fait toujours bizarre. On a envie de texturer tout parce que ça en manque peut-être un peu, mais bon. Donc, après, c'est pas non plus très long à faire, c'est juste quelques traits. Encore une fois, le but c'est d'avoir une figurine peinte en tabletop, hein, pas non plus un truc complètement oufissime. Ça permet quand même de donner un peu de vie à tout ça. Ce qui est le but quand on peint, hein, c'est juste de donner un petit peu plus de vie à nos petits pitous. Alors ça, moi, j'aimerais bien retourner à la sculpture, mais c'est vrai que pour ça,
J'ai eu quelques commandes, mais assez peu, et du coup, je me concentre quand même sur les éléments qui me rapportent un peu pour vivre. Et la sculpture touche du monde, mais moins de monde quand même. Et c'est vrai que sur les vidéos, je me concentre pas mal sur la peinture, même si clairement j'ai envie de faire plus de sculpture par moment. Mais en ce moment, c'est pas forcément le truc sur lequel je suis. Mais voilà, je garde ça en tête, Sam, de toute façon, ne t'en fais pas. Et bon, ça m'empêchera pas d'en refaire incessamment sous peu. C'est vrai que ces temps-ci, là, je me suis sculpté, par exemple, des petits accessoires pour mes orques. Voilà, je me suis fait quelques petits tirages. Je vous montrerai ça de toute façon sur mon Insta. Mais je crois que j'ai déjà montré un peu les petites sculptures que j'avais fait. Pas super fan de ma texture de bois, mais je dois bien avouer que je pense que ça suffira. Pas tellement envie de me prendre non plus la tête de plombe. Ça manque un peu de finesse, c'est un peu brouillon, mais bon, ça fonctionnera pour cette fois. Comme je vous disais, j'étais sur la fourrure aussi, mais ouais, un peu bordélique encore. Quelle musique entraînante! Alors, du coup, en fond, systématiquement, je mets de la musique de la chaîne Musique Libre. D'ailleurs, le son, des fois, il est plus ou moins fort. Je vais le baisser là. Je vais me remettre là, et là, et là. Stéphanie, j'aimerais bien que tu peignes du chibi, moi. Bah, c'est du chibi, ça. Je suis plus dans la sculpture que la peinture. Bah, t'as bien raison, Sam. Diego, j'ai commandé une sculpture d'un minotaure, mais l'artiste s'est amusé à lui faire une grosse verge très visible. J'ai du coup jamais peint cette horreur. Bah, Diego, c'est bizarre. C'est très bizarre. Pourtant, en fait, quand tu commandes une pièce, t'as des échanges avec le créatif, normalement. Et bon, tu peux te permettre de gentiment lui demander de cacher la verge, quoi. C'est la moindre des choses. C'est assez bizarre, hein, ce que tu racontes là, parce que bah, tous les sculpteurs que je connais s'amuseraient pas à faire un truc que le commanditaire n'accepterait pas. Et c'est assez space. C'est assez space. En tout cas, tu as bien fait rire Julie. Ça, c'est cool. Et bah c'est vrai que l'anecdote est rigolote, même si pour toi ça n'a pas dû forcément te faire rire. Ou c'est peut-être une blague, ouais. Mais le coup. Ouais, la kick à l'air, c'est pas forcément le truc que je trouve le plus classe. À la limite, si c'est caché derrière un pagne, je trouve que ça donne Ouais, un c'est peu ça. de. Tu vois, de. Un petit côté fun à la chose. Mais sinon, c'est bizarre, parce que techniquement, enfin, j'imagine qu'il t'a envoyé des photos du work in progress. Mais une kick, ça fait chier quoi. Si t'as pas envie d'une kick, ouais. Bon, après, il y a moyen de. Après, c'est Kingdom Death qui font beaucoup de Mais oui, j'y figurines pensais à base de justement. tubs. À base de. Tout est très phallique. C'est assez Et ça drôle. plaît, hein, donc bon. Ça plaît énormément, c'est vrai. Comme quoi, hein, des tubs. Voilà. Hein. Des tubs et des verges. Je pense que ça peut bien marcher. Mais c'est vrai qu'on voit. On voit moins de. Je sais pas. C'est vrai que pourquoi on n'utilise pas plus souvent les appareils génitaux féminins? Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Ben là, ça se fait de plus en plus Dans l'art? dans l'art et dans. Ah, c'est cool ça. C'est partout. Attends, t'as plein de documentaires et des trucs explicatifs sur le clitoris et tout ça, souviens-toi. Oui, À la main d'œuvre, mais. t'as vu les Ouais, phrases? non, non, clairement. Mais là, je parle du milieu de la figurine. On est pas fort. Ça viendra peut-être Mais. après. Parce que c'est. Parce que c'est un milieu peut-être plus masculin. Ben oui, voilà. Ouais, mais bon, enfin, du coup, ce serait une motivation d'autant plus Non, tu intéressante. mets des culs et des gros seins, mais tu mets pas des. Pourtant, ce serait un. Enfin, bref. Voilà, une bonne idée de sculpture, les enfants. Un bonhomme verge. Un bonhomme clito. Pardon. Donc je sais pas ce que je vais faire sur cette fourrure, mais ma foi déjà, je vais peut-être me contenter de ce résultat, qui est moyen moyen. Je trouve qu'il se détache pas assez, mais à voir, à voir.
Tu vois un peu. De toute façon, la peinture, ça évolue. Hein. Bah, la peinture va évoluer forcément au fur et à mesure. Hein, parce que sinon, bah, ça n'aurait aucun sens. Mais je vais aussi faire évoluer mes choix en fonction de l'avancée de toutes les différentes zones. Je vais vous laisser un petit peu, peut-être 5-10 minutes, le temps de faire un petit break and dance. D'aller gentiment bah, boire un petit verre d'eau, respirer un chouïa, décontracter le dos, et puis je reviens, je vous retrouve dans quelques minutes, les enfants. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Tu Si, valides? c'est joli, ouais. Ça te plaît? carrément, ouais. Bon, c'est cool. Mais si, c'est Fanny, elle dit À tout de que c'est suite! pas trop du chibi, mais si, je trouve.
Et voilà, je suis de retour. J'espère que vous allez tous très bien, hein, comme d'hab. Que vous trouvez tous le temps de pantouiller. C'est important. Moi, je vais prendre quoi? Ben, je vais prendre ça. Je vais commencer à traiter un petit peu tout ce qui est... Bon, en tout cas, sa barbe, parce que je sais pas trop... Je suis pas tellement sûr que... Peut-être les cuirs aussi, tiens. Je vais en profiter. Hop. J'ai changé de pinceau, là, dis donc. Bon, c'est pas grave, je vais baser. Ouais, il est plus petit, c'est carrément plus chiant. Je vais éviter de me faire chier avec un pinceau trop petit. La pièce étant grosse, un taille 2, c'est très bien. Bah, de façon générale, d'ailleurs, je vous conseille plus le taille 2 qu'autre chose. Je vais lui faire une bonne gueule de... Une bonne barre de roukmout, parce que ça claque. En un roux, quoi. C'est un peu la base, je dirais, presque. Bon, j'ai pas des masses préparé la pièce, hein, ça se ressent sur ces petits trucs là. Voilà, c'est de la pièce qui est directement montée en sortie de boîte, et c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, hein, ça permet tout de suite d'attaquer la peinture pour avoir un jeu full peint. Quand même assez cool, il n'y a pas des masses de figurines dedans en plus, donc c'est assez accessible. En gros, je vais en avoir, comme je disais, hein, je me répète beaucoup, mais je vais en avoir 5-6 à peindre. Mais c'est cool, ça fait toujours plaisir d'avoir pas des masses de figurines à peindre, contrairement à mes orques qui traînent. Bon, j'en ai quand même fini un hier durant un cours de peinture, donc ça c'était cool. Plaisir de finir de la figue. Alors je sais pas trop de quelle couleur faire la touffe qu'il a sur le dessus, je sais pas trop ce que ça représente, mais je me demande si je vais pas tout simplement uniformiser le tout. On dira que c'est des poils de sa barbe qu'il a remonté en haut, hein, c'est pas grave, tout simplement des chutes de barbe qu'il a collé sur son home. Quoi qu'il en soit, moi ça va surtout me permettre d'avoir quelque chose de simple graphiquement qui ressorte bien. Je pourrais toujours les faire repasser un petit peu au rouge, c'est toujours possible. Bref, on peut imaginer ce qu'on veut, ce qui est pratique. Le fameux « ta gueule, c'est magique », ça marche toujours très bien. Parce que dans le fond, sinon on ne peindrait pas des figurines fantastiques. Si ça devait pas être un peu fantasque, un peu foufou. Qu'est-ce que tu fais à Gimli, chérie? Tu l'as viré. Ah, il aime bien s'étaler, hein. Il aime bien s'étaler, le petit. En tout cas, on a adopté le petit Gimli, un petit bulldog français, et franchement, il est trop mignon. Hein? Bah, c'est normal, on s'attache vite, en fait, c'est surtout ça. C'est vrai que les deux premières semaines, franchement, il a niqué ma productivité, hein, clairement. J'ai accusé le coup, mais bon, après ça se rattrape, et puis au fur et à mesure, il se régule. Il arrête de pisser, de chier partout. Il a été propre assez vite, hein, genre en un mois, il a été propre, donc ça c'est cool. Bon, après, le fait que je bosse à la maison, ça aide. Mais bon, voilà, mon appartement, bah, faut le sortir quand même assez souvent pour qu'il puisse gambader et kiffer la life. Donc, ouais, je passe quand même, j'hésite pas à faire deux passages. Parce que quand même, je vais revenir ensuite. Alors, je vais regarder un peu les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Stéphanie qui dit bonne nuit. Diego qui me dit oui, j'ai de l'anxiété sociale, le mec. Là, parfois, en fait, quand on a des petits troubles sociaux comme ça, c'est pas forcément que les gens en profitent, mais
Bah, c'est juste qu'on se fait pas entendre. Ça arrive malheureusement, mais c'est des expériences de vie. Après, ces choses-là, faut les exprimer à l'écrit s'il faut, par mail, de sorte à ne pas être frustré en fin de course. C'est quand même assez important. Donc là, je rehausse un petit peu de marron rouge les zones de cuir. Je vais pouvoir faire pareil un peu avec ces boots. J'essaie toujours de préserver, je sais pas si ça se ressent à l'écran, mais j'essaie quand même de préserver les teintes qu'il y a en dessous, surtout sur les parties un peu ombrées. Ici, je sais pas ce que c'est, mais je pense que je vais tout faire en marron rouge, plus dans une optique de simplicité. Toujours pareil, j'essaie de préserver un peu les zones d'ombre là, qui ont été créées tout simplement à l'aéro sur les premières étapes. Comme je disais, j'ai vraiment pris le parti d'aller à l'opposé du schéma de Mythic Games, juste pour proposer quelque chose de neuf un peu, et puis voilà, pour faire plaisir aussi. Et vu que j'avais déjà fait le tigre en couleur claire, bah, ça me faisait plaisir de pouvoir proposer quelque chose dans des couleurs plus chaudes. Ça change. Ces trucs là c'est peut-être du métal, mais bon, on s'en fout, hein. Le but c'est de pouvoir les jouer, les figues, pas de se pignoler dessus, donc on peut enchaîner pareil ici. Donc, zone de cuir, hein. Tant qu'à faire des lanières, j'essaie de préserver encore une fois les creux sur des couleurs plus sombres, c'est toujours pratique. Les lanières, ça jamais. C'est toujours un peu chiant, je trouve. Mais quand on commence à bien s'y prendre, au final, ça demande quand même pas forcément masse de taf pour avoir un résultat correct sans trop se prendre la tête. Donc allez-y juste doucement et limitez peu à peu vos zones de travail. Étant donné que c'est des petites zones, ça peut aller quand même assez vite à la peinture. Je vais profiter du marron rouge, cette espèce de marron rouge là, pour ombrer la beubare. Donc, ce que je vais faire, c'est que toujours pareil, on pense plutôt lumière entre guillemets globale, c'est-à-dire que ici par exemple la partie basse va avoir tendance à être globalement plus sombre, et la partie qui prend plus la lumière, qui a tendance à briller quand on la met sous la lumière, bah, va avoir tendance à être plus claire. Contrario. Donc toujours pareil, pensez lumière globale, ça vous fera gagner en volume sur la pièce, parce que la pièce vous paraîtra plus volumineuse, et ça vous fera aussi gagner en temps. Donc c'est nickel, puisque de toute façon au fur et à mesure vous aurez de moins de surface à traiter, étant donné que vous allez essayer à chaque fois de limiter vos zones de travail et de travailler sur des zones de plus en plus petites pour donner de plus en plus de volume à votre pièce. Donc là, je reviens avec de la peinture quand même assez diluée, de sorte à ce qu'elle tombe assez naturellement dans les creux. Pareil, hein, je vais vraiment ombrer sur l'ensemble de la partie basse de la barbe. Je vais revenir en mélangeant un peu avec du noir, tout simplement. Je pourrais venir avec un marron plus sombre, hein. Ça marcherait tout aussi bien, mais pour garder de la cohésion, je vais juste ombrer avec un peu plus de noir dans mon mélange. Alors j'ai dit un peu plus, hein, forcément, là j'ai beaucoup plus. Et ça va me permettre de marquer les creux encore plus finement. Hésiter à faire quelques lignes aussi. Oula, j'ai débordé comme un cingouin. Bon, c'est pas grave, on récupérera au fur et à mesure.
Quand je vais pas, je pense que je vais encore peindre pendant une demi-heure, une heure grand grand max. Je pense que ce sera plutôt une demi-heure. Parce que je commence aussi à fatiguer. D'où mes petits coups de pinceau un peu approximatifs. Pour ça, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser. Alors Steph disait que c'était pas du chibi, mais je trouve que si, quand même un peu. Puis les prochains trucs en chibi qu'on est censé recevoir avec Julie, parce qu'à la base c'est un pledge de Julie, c'est Marvel United, que toi tu as déjà reçu en plus Steph. Mais je crois que Steph elle est Je crois partie qu'elle se est partie coucher. se coucher. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, et puis en plus, il y a les lapins, ils sont super jolis. Oh, c'est cool. Je me demande s'il y a beaucoup de figues d'ailleurs. Pas Ouais, sûr qu'il y en ait. si, je sais pas Ah ouais? s'il y a beaucoup de figues. Je vais revenir encore avec le orange. Juste pour un peu écraser les zones où j'ai débordé comme un gros sale. Ouais, je commence à fatiguer parce que je commence à déborder à droite, à gauche, vous voyez. C'est pas grave. Hein. Si je peux éviter, c'est mieux quand même. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre, évidemment. Pouc, pouc. Donc là, un petit peu de blanc dans mon orange, tout simplement, encore une fois, dans une optique d'éclaircissement de la beubare. L'idée là, c'est vraiment à chaque fois de limiter de plus en plus et d'essayer de faire des traits un peu pour donner un peu de texture à cette petite barbe. On n'est vraiment pas obligé, hein, mais ça fait partie des trucs un peu funky à faire et qui peuvent un peu apporter un petit plus à votre gurine. Je pense que je finirai la figurine peut-être demain. Je la partagerai. Je partagerai de toute façon l'état d'avancement. Et puis, ça vous permettra de voir un peu la gurine finie en fin de session. Je pense pas non plus avoir un milliard de choses à faire sur la pièce. Je suis quand même bien rushé. Mais soit c'est simple. C'est assez agréable. Forcément, ça aide. Donc là, vous voyez, hein, toujours pareil. Quelques rayons de lumière bien sentis, c'est suffisant. Pas besoin de trop en faire. C'est jamais une bonne idée quand vous en faites trop. N'oubliez jamais que c'est. Le but, c'est aussi d'avoir un rendu sympa non plus. Pas non plus en 17 heures de temps. Hein. C'est d'avoir un chouette rendu pour la poser sur la table. Donc il y a le dos là que j'ai pas forcément beaucoup traité au niveau des petits poils, mais bon. De toute façon, un nain ça s'attaque de face quoi. Je veux dire. Je rehausse un petit peu les zones de cuir aussi avec ce mix de couleurs, c'est toujours bienvenu. Pour
remarquerez que les bandelettes, j'ai tendance à les rehausser de part et d'autre, mais d'insister un peu sur la partie basse, parfois ça donne du volume. J'utilise souvent des teintes un peu similaires sur différentes parties de la pièce, puisque ne serait-ce qu'en ayant des couleurs basiquement différentes sur les premières couches, ça donne quand même un résultat différent, avec même si on a des éclaircies identiques. Et de la même manière, on peut très bien partir sur des bases de couleurs identiques, mais avec un traitement différent, ça fera un résultat forcément différent. Et c'est largement suffisant pour justement limiter le nombre de couleurs qu'on utilise et accélérer le rendu, le rendement et le résultat peut être tout à fait cool en limitant un peu sa palette. Je vous conseille d'ailleurs, ça évite aussi les erreurs et le trop plein de couleurs distinctes qui vont avoir tendance à brouiller le regard. Que je vois un peu le socle que je lui fais. Je lui ferai peut-être un socle froid, je verrai. J'ai toutes les petites gemmes aussi à faire, enfin les petites gemmes, les petits, je sais même pas comment on appelle ça, mais les petites émeraudes qui partent dans tous les sens. Je pourrais les faire en orange rouge, mais à voir, je vais y réfléchir. Donc, de toute façon, on est ensemble. Encore un peu, donc ça me laisse un peu de temps pour cogiter. Je reviens avec du bleu marine foncé dans le orange pour donner un peu plus de volume à l'ensemble. Ça marche toujours très bien, ça. J'en profite aussi, hein, je vais faire la même chose au niveau des cuirs. Ça marche pas de pain. Je vais plutôt booster effectivement sur le côté. Les zones de creux comme ça, ça marche toujours très bien. J'utilise aussi pour démarquer certaines zones qui ne sont pas clairement définies et suffisamment bien démarquées. Revoiser un peu tout ça en bleu d'ailleurs. Je me demande si je vais pas le refaire quand même en non métallique plus tard, parce que ça me paraît quand même pas terrible en cuir comme ça. Là, je reviens bien dans les creux, ma peinture est assez diluée, hein. Le bleu marine foncé, faut toujours l'utiliser assez dilué. C'est une teinte qui est très bien, mais qui a tendance à être quand même très couvrante, donc en très dilué ça marche quand même un peu mieux. Je vais revenir encore sur les poils de barbe, cette fois avec un tout petit peu de blanc. Parce que c'est pas parce qu'on a un nain que on ne nettoie pas sa barbe correctement pour qu'elle soit bien brillante, surtout en période de Covid comme ça. Je pense qu'il se la nettoie très régulièrement, sa petite barbe. C'est pareil, là-haut, je vais mettre quelques points de lumière. Moi, j'espère en tout cas que vous n'êtes pas trop impacté par ces histoires de confinement, que ça va aller de votre côté niveau boulot, tout ça. Et je vais essayer de, comme je disais en début de vidéo, de vous proposer des lives un peu plus réguliers pour
Voilà, pour passer un peu de temps ensemble après 9 h. Ce sera toujours cool. Et puis voilà, c'est toujours des chouettes moments à partager. C'est pas toujours chouette de devoir rester chez soi, mais en tout cas, bon, bah, autant le faire à plusieurs. Et un live, c'est aussi fait pour ça. Donc je pense que le prochain, ce sera mardi prochain. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je sais pas encore la thématique, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez essayer de m'influencer, c'est le moment ou jamais. Alors, Sani, bonsoir. Salut Samat. Voir de la France, je rouille sur les YouTube du gouvernement. Nos ambassades ont des chaînes YouTube. Mort de rien. Ouais, bon, alors là, j'irai pas, parce que déjà de base, quand il s'exprime, j'ai du mal à les regarder en restant calme. Et franchement, faut prendre soin de soi et sa santé. Et franchement, me faire monter la tension. C'est pas forcément une bonne idée. Donc, ouais, allez voir leur chaîne. Non, ça va aller. Je regarde les récaps. Souvent, ça va. J'aime bien aussi un mec qui fait des analyses, Clément Vikorovic, je crois, qui passe sur Click, sur Canal+. Je le trouve toujours très pertinent, très juste. C'est un régal, en fait, à regarder. Et c'est vrai qu'il a toujours des analyses. Après, forcément, il a des analyses qui ont tendance à finalement à un peu me conforter dans le fond de ma pensée. Donc, forcément, sur ce petit côté, ce travers qu'on a parfois aujourd'hui avec les réseaux et tout ça, à toujours voir et regarder des émissions de personnes qui finalement vont dans le sens de notre propre pensée, hein. C'est ce qui, je crois que... Mais là, c'est littéraire ce qu'il fait, donc ça reste dans les faits. Ça reste dans les faits, l'analyse. C'est vrai que je le trouve assez juste et pertinent, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je pense quand même qu'il y a un espèce de biais cognitif, un truc qui fait que bah, on a tendance toujours à aller vers les idées qu'on trouve les plus justes à notre sens. Et c'est vrai que lui, c'est vrai que ce qu'il dit, ça a quand même fortement tendance à rejoindre le fond de ma pensée, sauf qu'il l'exprime de façon très juste, très posée, et voilà, donc lui, je le suis pas mal, mais j'en suis d'autres, hein. Puis après, de toute façon, il y a une opulence de chaînes, d'infos, de voilà, on est noyé, donc à un moment, il faut faire des choix, quoi, Franchement, regarder la télé, c'est fini. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps que je regarde plus la télé. Et je m'en porte pas plus mal, honnêtement. C'est même plutôt sain, je pense, de se préserver un peu parfois. Je vais reprendre un peu les zones de fourrure qui me plaisent. En fait, ça m'ennuie un peu parce que la fourrure, c'est vraiment le truc que je trouve le moins sexy de cette figurine. Mais il y en a quand même un petit peu partout. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste la reprendre avec une couleur de base à peu près neutre pour me permettre d'avoir une base saine pour ensuite la reprendre de nouveau, mais avec les teintes que j'ai utilisées dans le dos, tout simplement. Donc là, ce que j'utilise, c'est du Termat. C'est une couleur très classique. Pour avoir un marron neutre, c'est parfait. Par exemple, c'est la base que j'applique très souvent sur les choses que je veux... Comme étant rouillé, et pour ça c'est très cool. Je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu, mais ça marche aussi pour tout ce qui est naturel. Donc pour les poils, ça ira très bien. Seul bémol, c'est que bah, là j'ai les poils qui sont juxtaposés à la main, et là-dessus ce sera peut-être un peu plus chiant pour bien distinguer les zones. Donc peut-être que je reviendrai avec de la couleur un peu plus sombre, juste pour bien les distinguer, ces zones-là. Donc je suis passé un peu sur la main, juste avec une couleur de base. Je reviendrai évidemment dessus, hein, ça suffira pas. Mais la main, c'est pareil. Ça ne me plaît pas des masses. Mais c'est pas grave en soi, hein. On va modifier, affiner tout ça. Il y a l'égumène qui est là. Ah, cool! J'espère que ça va bien, l'ami. J'espère qu'il va bien. Tout à l'heure, j'ai appelé son chien Roger, mais je crois que je me suis trompé. Ah non, je l'ai appelé Robert, et je me suis trompé parce qu'il s'appelle Roger. Oui, j'espère que Roger va bien, Maxence, et qu'ils sont pas trop fatigués, et que ouais, vous êtes pas trop KO. J'espère que c'est pas trop dur à gérer, surtout le petit waf waf au début. C'est jamais simple, mais voilà, après on s'attache vite,
Et puis vous, c'est quoi comme race déjà? C'est un charpé, je crois. Et les charpés sont quand même plus calmes d'expérience. Je crois que c'est quand même beaucoup plus calme. En tout cas, le charpé d'Amandine est assez calme. Donc je me dis, ça doit être pareil pour tous les charpés, mais peut-être que je me plante. N'hésite pas à me corriger si c'est le cas. Quoi, bienvenue à toi, l'ami. D'ailleurs, si tu veux, si tu ne vas pas te coucher trop tôt, tout à l'heure, on pourra se faire une partie sur mobile, si tu veux. Parce que on joue beaucoup à Brawl Stars en ce moment avec les potes. L'application, téléphone, c'est un petit jeu, mais franchement, on s'éclate bien. J'avais arrêté un temps et c'est vrai que ça fait bien passer le temps, quand on est aux toilettes, par exemple. J'adore jouer, hein, faut dire ce qui est. Là, le seul truc qui me frustre, c'est que j'avais prévu des parties à l'association Championnat et Jeux, là, je me réjouissais. Et puis, bon, bah non, en fait. Comment dire que non? Ah ouais, c'est comme ça, va falloir faire avec. Je pense que ça va faire partie de nos vies, là, pendant un temps. Donc, il faut l'accepter et avancer. Et réduire la pile des. De plastique gris qu'on a chez nous, ça c'est bien aussi. Donc voilà, je sais toujours pas ce que je vais faire pour le live de mardi. Donc si vous avez des idées, balancez-les. Je dis pas que forcément je vais faire ce que vous me dites, mais en tout cas ça me permettra de cogiter là-dessus et de revenir avec une idée brillante peut-être, ou peut-être pas. Peut-être une idée toute naze aussi, c'est possible. Donc là, je continue légèrement. Bon, on remarquera qu'il n'y a pas non plus un milliard de détails. La pièce, elle est quand même bien avancée. Mais voilà. Enfin, ouais, il y a encore quand même pas mal de petits bouts, de petits taffes à droite, à gauche. De petites zones à rectifier, la main à peindre, ce genre de choses-là. Il y a des zones qui me plaisent vraiment moins que d'autres, bizarrement. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai assez mal, enfin pas préparé la figurine par exemple sur les mains là. C'est assez cracra. Bon, je vais pas vous mentir, ça fera largement le taf pour jouer avec. N'oubliez jamais, hein, quand vous jouez à la gurine, il faut au minimum trois couleurs. Pour votre adversaire, c'est la moindre des choses, je pense, en termes de respect pour votre joueur et pour le zombie. Pour le hobby, pardon. Donc voilà, faites au moins ça. Mais après, c'est vrai que si vous arrivez à pousser un peu aujourd'hui avec toutes les petites encres, contrastes, aussi tout ça, vous avez quand même un potentiel de dev, de développement et de rendu qui peut vraiment claquer. Alors, Ligman, salut, moi, on teste le jeu quand? Alors, ben moi, quand vous voulez, mais ben après quoi. Alors, Mathieu, c'est merci pour le live et les conseils perturbants. Bonne nuit et à mardi soir. Ouais, avec plaisir, à mardi soir. Alors j'espère que je vais réussir à m'y tenir aussi, mais oui, normalement ça devrait le faire pour mardi. Voilà, encore une fois, je sais toujours pas ce que je vais peindre par contre, donc si vous avez des bonnes idées, balancez-les. Si vous avez des idées pourries, bah, balancez-les quand même. Mais voilà. J'aimerais bien en plus, Maxence, tu me disais quand est-ce qu'on joue? Bah, je sais qu'en plus, il y a l'ami Renaud qui a fait une table de ouf. D'ailleurs, table que vous avez pu voir, je pense, sur French Wargame et sur d'autres. Et sur le truc officiel. Mais je ne sais pas s'il a récupéré ou pas. Donc ça va être la question qui tue. Donc, je vais continuer. Alors, je vais juste re-régler un petit peu la cam parce que je trouve que en l'état, vous ne voyez pas tout à fait le rendu tel qu'il est chez moi. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc je vais peut-être régler un chouïa à la cam parce que c'est moins, c'est peut-être un peu moins saturé, je dirais. Je vais voir si j'arrive à, ne serait-ce que, ouais. En fait, c'est. Alors, attention les yeux. Ouais, c'est quand même plus proche de ça. Ouais, ça change pas grand chose en fait, hein.
Non, ouais, c'est à peu près ça, on est bon. Quoi d'autre? Bah, je vais continuer. Je vais continuer. Donc là, je me suis mis un peu de terre de sienne. Ça va me permettre tout simplement de d'ombrer entre autres choses la zone de cette zone-là. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de nuances. C'est l'occasion. Puis ça me permet de faire quelques petites lignes aussi pour marquer encore le petit côté vieux bois un peu pourri. J'ai vraiment pris le parti d'avoir quelque chose de chaleureux, donc je trouve que ça fonctionne assez bien sur les nains. La question c'est de quelle couleur faire toutes les petites gemmes qu'il a de partout. Je me tâte peut-être à les faire en vert, ça ressortira vachement rapport au reste. Peut-être reprendre le turquoise que j'avais mis sur la première figurine. Ça permettra de faire un rappel sur les différentes pièces. Ça peut être sympa. On va partir là-dessus, je pense. Donc je reviens avec le terre de sienne un peu sur les différentes zones de cuir. Je suis revenu aussi sur le. Je vais revenir un peu dans le métal aussi avec. Les nuances comme ça permet aussi de lisser un peu la peinture parfois. C'est pas négligeable. Puis je vais gentiment commencer à revenir sur. Ah oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse aussi. Bon, je vais essayer de pas perdre le fil parce que parfois, à force de peindre, je me paume. Je vais ombrer aussi de façon un peu globale, donc avec un bon jus des familles, toute la partie basse de la fourrure. Quitte à finir au noir, quoi. Quasiment en noir pur pour les prochaines étapes. Donc là toujours je remonte avec de la peinture plus diluée, hein, tout simplement pour avoir toujours cette notion de lumière globale, hein, donc plus intense en haut qu'en bas. Et quand même faire un petit rappel sur cette partie qui a tendance à retomber à l'avant et qui du coup doit prendre un peu moins la lumière par défaut. Ça peut être important, ça c'est pas mal. Et ensuite, je peux y aller avec de la couleur un chouïa moins diluée sur la partie basse, c'est pas gênant. De toute façon, elle est plus sombre, donc forcément la peinture va avoir tendance à être moins couvrante. Et à la fin, tout simplement revenir avec la même couleur mais un peu plus sombre. Donc limite noir, peut-être un peu moins sombre quand même, mais limite noir sur la partie basse. Donc ça forcément c'est des zones qui vont mettre du temps à sécher, on va pas forcément s'y intéresser, mais ça permet vraiment de dégager la partie haute de la fourrure et d'écraser toute la partie basse. Les creux là manquent un petit peu de volume, donc après à moi de voir si je veux tout simplement rehausser un peu les creux. Par exemple au termat, ça peut très bien marcher le termat là-dessus. C'est toujours pareil, sans ombre pas de lumière et sans lumière pas d'ombre. Donc on va toujours essayer de jongler avec les deux pour faire ressortir au mieux nos différentes nuances. Pour un peu boucler la boucle, je vais passer en turquoise, mais j'aime. Ça mettra une petite dose de une petite dose de couleur froide. Ça permettra un petit peu d'améliorer en plus la lisibilité d'ensemble. Donc c'est pas déconnant.
toujours s'amuser d'ailleurs quand on fait ce genre de choses là, à faire un petit rappel de couleurs sur les parties, sur les zones qui sont assez proches. Ça permet de donner cette sensation que, par exemple dans le casque, le bleu des gemmes se reflète un peu. C'est assez bienvenu, et puis c'est pas non plus la mort, parce que c'est, comme vous avez vu, c'est quelques filtres de couleurs juste qu'il faut passer. Je vais vous montrer ça un peu sur le casque, même si je suis pas sûr qu'à la cam ça ressorte des masses, vous me direz en commentaire si ça se ressent ou pas. Ouais, les gemmes, il y en a, enfin les gemmes, les espèces de, je sais pas comment on appelle ça là, hein. Parce que des gemmes, je vois un truc plutôt rond, stalactite, je sais pas, des cristaux, ouais, des cristaux. Merci chérie, heureusement que t'es là ce soir. Deux fois où je perds mes mots. Je vais oh non, tu peux pas me faire ça maintenant. Ben, il est tard. Je te taquine, bien sûr. Mais c'est cool déjà, t'es resté long tard ce soir. Faites une standing ovation dans les commentaires à ma petite Julie d'amour qui a bravé le sommeil et le froid pour rester un peu avec nous ce soir. Ça fait très plaisir. Franchement, quel kiff d'avoir une chérie qui partage sa passion et qui est toujours au taquet. J'ai de la chance, les amis. J'ai de la chance, je tiens à vous le dire. Je suis comme ça. Et ben moi, je dis bonne nuit à tout le monde. Et courage pour la journée de demain. Ouais, parce qu'après, c'est le week-end. Mais moi, je pense que ce week-end, je vais devoir bosser, par contre. Ouais, c'est ça, hein, quand on fait de... Quand on essaie de faire de sa passion son taf, franchement, on compte pas les heures. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Et puis, partager des petits moments avec vous, ça me rebooste, ça me remotive. C'est pour ça que mardi prochain, on remet ça. Et j'espère remettre ça encore jeudi. Ça nous fera deux lives dans la semaine. J'espère juste que le lendemain, Julie me laissera un peu dormir. Mais sinon, franchement, ça va être cool. Donc là, j'essaye de faire aussi quelques gemmes sur le socle. Bisous mon ange, à tout à l'heure. J'en profite un max. Donc là, j'ai mis quelques petites nuances de bleu dans le casque. Je sais pas si ça se ressent des masses, mais je veux pas trop en abuser non plus. Tout simplement parce que sinon, ça risque d'être un peu trop criard. C'est le genre d'effet, en fait, on a tendance à les voir de façon un peu criard parfois sur le net. Et je trouve que des fois, ça, c'est trop en fait, et ça dénature un peu la pièce. C'est pour ça que j'essaie toujours d'y aller mollo, mais c'est pas forcément simple. Avoir quelque chose de doux et qui fonctionne. C'est vraiment que quelques touches, il faut vraiment y aller avec parcimonie pour pas que ça empiète trop finalement sur le reste de la pièce. Je trouve ça assez important d'y aller doucement. Pour le coup, sur les gemmes, je me rapproche un peu de ce qu'ont fait Mythic Games, je crois, parce que eux aussi les ont fait. Les ont traités comme ça en couleur claire. C'est vrai que j'étais parti sur des couleurs chaudes sur l'ensemble. Je me disais que pour une meilleure lisibilité, franchement, garder juste ces éléments-là en couleur froide, je pense que c'est cool. Je pense que ce sera ni trop ni pas assez. Alors, je vais pas forcément toutes les traiter avec vous ce soir parce que sinon ça risque d'être trop long, mais on va s'en faire quelques-unes, tranquille. Alors, j'ai pas vu un peu vos commentaires, je vais regarder de ce pas. Donc voilà où j'en suis, hein, pour info. Je suis quand même bien avancé, je pense. Hakim, bonne nuit Julie, bonne nuit les enfants. Terreur, un grand merci à elle pour être là pour toi, c'est gentil. Et Hakim, ça va Hakim? Toujours tes petites pièces de samouraï qui traînent là. Il va falloir qu'un jour je me les tape. Je suis pas trop chaud en ce moment, mais bon, je te tiens au jus, de toute façon. Enfin, chaud. Dans le sens où j'ai un milliard de projets perso, c'est vrai que je profite un peu des lives pour penser à ma gueule.
et partager en même temps avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça à la base que j'ai créé la chaîne au tout début. C'était pendant la période un peu faste de Happy Games Factory où j'arrêtais pas. Et à un moment, je me suis dit, bah, autant joindre l'utile à l'agréable et me dire, bon, bah, je vais partager un peu ce que je fais, tout en faisant, tout en me préservant, en faisant des pièces que pour moi et tout ça. Ça a un peu dévié après, hein, forcément, parce que je peins aussi en live des pièces que j'ai en commande de peinture, ou parfois il y a des vidéos comme les dernières que j'ai filmées, c'était durant des cours. Pendant que je filmais, comme je suis en train de le faire là, avec des, mais en fait comme c'est des cours Discord, ça me permet de garder le flux. Bref, mais c'est parti de là, hein. Vraiment c'est parti du fait que je me suis dit, bah, autant partager, faire plaisir aux gens, et en même temps, moi, avancer sur des pièces perso. C'était un peu un prétexte à me refaire plaisir, et comme on le dit, une passion ça s'entretient, même quand ça devient un taf, il faut absolument garder ce côté passion là, parce que sinon, ben, en fait, on se perd un peu, ça devient moins kiffant, quoi. Et Happy Games, malheureusement, c'est vrai qu'à la fin, par exemple, à la fin, au final, je peignais beaucoup moins, je sculptais beaucoup moins, c'était moins kiffant. Donc voilà, reprise dans les bonnes conditions là. Motivé, peinture, c'est cool. Des fois, ça permet vraiment de se recentrer, de se retrouver. C'est kiffant la peinture. Je sais pas d'ailleurs comment vous en êtes venu à la peinture. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être super intéressant. Je pense qu'il y en a pas mal là avec le confinement qui ont été amenés à sauter le pas, hein, parce que c'est vrai que ça, le confinement s'y prête à merveille, dans un sens. Donc là, je reviens avec du blanc, tout simplement pour rehausser un peu mes cristaux. J'essaie de préserver certaines faces assez sombres, simplement pour montrer que voilà, il y a des faces plus ou moins lumineuses. Mais j'essaie quand même de booster à peu de choses près toutes les arêtes, un peu comme sur un nom métallique, pour faire en sorte que ça, ce soit des couleurs qui ressortent quand même pas mal sur la pièce. Pas forcément besoin de plus, mais si vous avez envie de pousser un peu plus loin, vous pouvez toujours jouer en fait sur la transparence un peu de la peinture pour faire quelques zones qui vont être de cristaux peut-être un peu moins purs, juste en faisant quelques petites stries droite à gauche. Voilà pour les voilà pour non, j'ai déjà oublié le nom, la merde. Voilà pour les joyaux, on avait dit, je sais même plus, merde, quel boulot. Voilà, il suffit que Julie s'absente et puis je perds mes mots encore plus, c'est magistral. Comme quoi, j'ai vraiment besoin de ma petite chérie, moi. Voilà, voilà. Donc je sais pas, allez-y, hein, si vous avez des questions, allez-y, parce que là moi je vais pas tarder à vous laisser, honnêtement je commence un peu à mouliner sur la pièce, mais elle est quasiment finie. Je vais devoir traiter la main par exemple, mais bon, j'ai publié une vidéo sur comment traiter la chair il y a très peu de temps, donc là-dessus on va pas forcément s'éterniser, hein, je pense. Mine de rien, on a été quasiment sur des pics à 30 participants. Donc je vous remercie encore tous de venir partager ces petits moments avec moi. Ça me motive à en faire plus. Et comme je vous ai dit, on se donne rendez-vous mardi. J'essaierai de publier assez tôt la thématique de la vidéo sur la chaîne pour que vous puissiez tout simplement cliquer et avoir la petite alerte qui va bien. Ça vous permettra aussi, si le cœur vous en dit, de partager sur les groupes de peinture sur lesquels vous êtes. Comme ça, bah, tout simplement, ça permettra qu'on soit encore plus nombreux pour partager ces petits moments de peintouille
en plein confinement, ben, voilà, je pense que je vais essayer de multiplier ça. Si j'y arrive, j'aimerais bien, voilà, tous les mardis, tous les jeudis, 21 h, on se fait un petite pause, on se pose, on peint. Si je vous préviens assez tôt et que vous réussissez à finalement à peindre la même figurine que moi, bah bingo, ça peut être très chouette. Après, vous me balancez la photo sur Insta, je vous ferai des retours avec grand plaisir. Et en me taguant, hein. Faut me taguer, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis de toute façon, je vous préviendrai. Ouais. Peut-être une autre figurine Brawl Stars si je vois qu'il y a de la demande. Peut-être proposer bah, ce que j'ai pas fait, à savoir de la Death Watch. Mais j'avoue que la Death Watch, bah, c'est du noir. J'en ai fait il n'y a pas longtemps. C'est du non métallique gris. J'en fais très souvent. Est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Donc à voir. Mais je sais que j'ai une armée qui traîne. Donc moi, je sais que de toute façon, un jour ou l'autre, je me les taperai. Est-ce que je me ferai un petit peu d'orc? Why not? Ça fera grossir mon armée. De toute façon, c'est toujours bienvenu. Bref, vous avez compris, hein, un milliard de trucs en tête. Donc, si vous avez des idées un peu plus précises, bingo, vous m'envoyez un petit message, vous envoyez un petit commentaire, vous me dites. Pour ceux qui bah, ont les moyens et veulent me soutenir, donc il y a le Patreon. Donc, sur Patreon, vous verrez, vous avez plusieurs offres qui vont de 2 $ à 75. L'offre de enfin, les premières offres, en gros, vous permettent d'accéder à un groupe sur lequel je fais des retours et tout ça. Les offres un peu plus élevées, très souvent, c'est pour avoir des cours particuliers, des retours encore plus particuliers. Donc voilà, vous allez-y, jetez un coup d'œil. De toute façon, vous pouvez très bien vous abonner pour soutenir, ne serait-ce qu'un mois, et vous désabonner, c'est très facile. Il n'y a pas d'obligation. Faut juste y penser. Et bah, ça me permet de sentir aussi votre soutien sur un aspect financier qui fait toujours bien plaisir. Ça me permet un peu de lisser aussi, de me rendre compte que voilà, mes vidéos plaisent et que vous êtes demandeurs. Donc ça, c'est toujours cool. Comme d'hab, bah, n'hésitez pas à activer la cloche si mes vidéos vous intéressent, parce que ça vous permettra de ne pas en louper une miette. Je publie une vidéo le dimanche, donc live le mardi, et la plupart du temps une vidéo en plus dans la semaine pour mes boss sur Patreon. Quoi dire de plus? Mais je crois que j'ai fait le tour à peu près. Donc voilà, comme d'hab, merci à vous tous d'avoir été présents. J'espère qu'on sera encore plus nombreux la semaine prochaine et ainsi de suite. Ça fait toujours plaisir. Je reprends un peu du poil de la bête. Donc j'espère que ça se ressent et que vous êtes contents d'être là. Et voilà, voilà. Les cristaux. Merci Terreur. J'en ai sculpté quelques-uns pour mes Seras. Ouais, ça peut être cool. Marco R, désolé pour mon français. Premier de tout. Superbe travail. Question banale. Lesquelles brushes es-tu en train de... Ah, bien sûr Marco. Don't worry, if you want, we can speak English. So, it's a Raphael 8404. Donc, Raphaël taille 2, 8404. Vraiment, c'est les meilleurs pinceaux, je trouve, actuellement. Voilà, rapport qualité-prix, c'est le top. Donc, n'hésite surtout pas, si tu peux t'en procurer, fonce. Après, bien sûr, hein, je vais un peu peaufiner la pièce, je vais mettre un peu de texture de ci, de là, je vais me faire plaisir. Hein. Mais là, vous avez quand même vu les très grandes lignes. Ah, j'avais oublié d'ailleurs, en turquoise, il y a aussi des cristaux un peu partout dans la cape. On va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je vais les faire aussi. Ça permettra de les démarquer parce qu'ils font un peu de tache au milieu du reste, sinon. On pourrait aussi mettre un coup de cutter et remettre de la fourrure. Ça ne me dérangerait pas plus que ça, mais voilà, pour ce soir, en tout cas, ça fera le taf. J'arrive à tenir de plus en plus longtemps, hein, donc, sur les lives, donc ça me fait aussi plaisir parce que ça veut dire que vous m'apportez de l'énergie et ça, c'est chouette. Deux ici par exemple, ouais, faut les chercher quand même, hein, dans les petites touffes. C'est pas toujours le plus simple, mais ma foi,
On les trouve. Je sais pas ce que représentent ces cristaux en termes de jeu, mais lui, il en a plein. Comme pour les précédents, je réhausse au bleu. Ah, je vous dis que j'y vais, mais vous voyez, je continue hein, quand même. Hein, c'est ça, hein, quand on commence à être un peu en mode furie guerrière, à regarder, à vouloir avancer. Après, faut aussi apprendre à s'arrêter pour respirer et surtout pour éviter de faire des conneries. Chose que je vais essayer de faire parce que je sens que sinon, je vais faire des boulettes encore. Donc, comme d'hab, hein, vous retrouverez de toute façon la vidéo en rediff. Bref, voilà. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Je vous fous des photos de toute façon sur Insta bientôt pour voir le résultat en photo, ce que ça donne. Je sais pas encore où je vais aller sur le socle. Donc pour info, j'avais peint celui-là la semaine dernière. Donc je vais peut-être partir sur un socle différent. Je vais voir. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que bah, le turquoise suffit quand même à faire un petit rappel entre les deux pièces. Ce qui sera bien si je les joue ensemble. Mais voilà. Donc j'espère encore une fois que ce live vous aura plu. Moi de toute façon, je vous dis à mardi prochain et d'ici là sur les réseaux. Alors, ce sont des cristaux de la mine de la Moria. Ah ouais, sûrement. Alors j'ai eu plusieurs Raphaël Lumi 404 taille 2. C'est ça, Skiff, merci. Terreur qui dit j'ai reçu un blanc de chez Scale pour rehausser les arêtes des cristaux. C'est super ce blanc. Bah oui, carrément. Quelle couvrance! C'est quoi ce bleu? Alors ce bleu, c'est du turquoise de chez Procolor. C'est des peintures normalement aéro, mais que j'utilise pour tout et qui sont déjà assez diluées. C'est très 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 appréciable comme couleur. Franchement, j'en démords pas. Thomas Auro, je suis là depuis le début. Désolé, je peux pas du tout parler. Je peins en même temps. Mais tant mieux, Thomas, tant mieux. C'est vraiment un vrai régal de te suivre. C'est vraiment plus sympa de peindre dans une ambiance comme ça. Merci Thomas, ça fait très plaisir. Je suis débutant et je m'entraîne sur des figues de descente. Merci encore pour la qualité de ton contenu. Ben, encore une fois, voilà. Bingo, merci beaucoup, beaucoup. C'est le but hein, de ces vidéos. Descente, les figurines sont cool, mais tu verras, tu peux y aller vite, bien, et c'est parfait pour se faire la main, je trouve. Thomas, j'ai commandé pour le fiston, Super Fantasy Brawl également. Je vais devoir assurer un minimum. Eh oui, il va falloir. Alors ouais, Sylvain est de presque deux, je dirais, parce que je pense qu'elle sera finie demain, et puis ça fera largement taf pour gamer. Les pièces sont très cool, donc voilà. De toute façon, mardi prochain, ça fera peut-être et deux, trois. Mais je verrai, je vais peut-être faire une petite pause quand même, pour passer peut-être sur du Battle, 40K, bref, voilà, ou peut-être du Eden, je sais pas. Voilà. Bon, ben en tout cas, je vous fais une bise à tous. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, de toute façon, on se refait ça la semaine prochaine. Bisous, bisous, les amis. Ciao, ciao.